Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce comité plénier portant sur la protection des sources d'eau. Nos invités ce soir seront Mme Mélanie Delonchamp, directrice de l'Association de la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord, M. François Morneau, coordonnateur au plan métropolitain de protection des sources d'eau de la communauté métropolitaine de Québec, et Maître Daniel Bouchard, associé chez Lavorie Avocat. Avant de débuter, M. le maire, souhaitez-vous faire un petit mot? Monsieur le maire, avant de débuter, souhaitez-vous dire un mot d'introduction? Oui, alors, Madame la Présidente, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui sont ici présents et aux autres qui, je l'espère, nous écoutent sur ma TV ou par le web sur le site de la Ville. L'automne dernier, on avait l'ensemble des villes et des municipalités de la CMQ, on avait pris la décision d'agir de façon solidaire et concertée pour protéger les sources d'eau potable en ayant comme préoccupation de réparer les erreurs du passé. Quand je dis les erreurs du passé, il n'y avait pas d'erreur. Personne n'a cherché à polluer le lac, là. mais ça existe. Erreurs du passé, sécuriser le présent, mais surtout pérenniser l'avenir. Honnêtement, les faits sont là. Nous avons des problèmes sérieux en matière de gestion des eaux usées. De nutriments, et on va en parler un peu plus tout à l'heure, nutriments comme le phosphore et l'azote, qui sont présents, beaucoup trop présents dans les cours d'eau, et on a aussi un problème réel, il faudra éventuellement en parler très sérieusement, des problèmes de sel de voirie aussi. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est nier le problème. Je pense que c'est bien important. Bon, là, les gens pourraient s'amuser en disant que le lac a vieilli de 25 ans dans les 7 dernières années, puis c'est de ma faute à moi personnellement. Nous allons entendre ça aujourd'hui un peu, mais on va essayer de rester sérieux. Il y a des conséquences très réelles sur la qualité d'eau qu'on traite aux usines de traitement des eaux, et il faut sincèrement passer à l'action. Mais entre-temps, on ne peut pas passer à l'action du jour au lendemain. Alors, il y en a qui parlent du rapport de l'appel. Alors, Mélanie est ici, c'est elle qui a dirigé tout le travail sur le rapport de l'appel. Mais avant de sortir le rapport de l'appel, à l'époque, ce qu'on se disait, il faudrait bien qu'on sorte en même temps un plan d'action. Alors, on ne voulait pas sortir le rapport de l'appel sans avoir un plan d'action. Sortir un rapport sans savoir où on s'en va, on n'est pas bien avancé. Alors, si on a retardé la sortie du rapport de l'appel, c'est si on voulait le faire, et on l'a fait la même journée où on a présenté notre plan d'action les prochaines années. Je pense que c'était plus responsable de le faire comme ça. Alors, l'objectif de la séance aujourd'hui, c'est de permettre à tout le monde, aux citoyens, d'avoir accès à l'information, le maximum d'informations qui sera, et je suis certain que nos invités vont faire tout leur possible pour vulgariser, hein? Parce que le problème de nos invités, c'est qu'ils en connaissent trop sur le sujet. Alors, je vais vous demander encore de faire l'effort supplémentaire de vulgariser pour qu'on comprenne. Pensez à mon père qui est à Loretteville, qui voudrait comprendre ce qui se passe, et bien d'autres. L'information qu'on dispose sur l'état de la santé de nos sources d'eau et sur les problèmes auxquels on est confrontés. Vous savez, la protection des sources d'eau, c'est un enjeu collectif et ce n'est pas juste l'enjeu de la Ville de Québec. On a, avec mon collègue de Lévis, on est très inquiets sur le front salin dans Saint-Laurent. Le maire de Lévis a deux prises d'eau dans le Saint-Laurent, juste en face du château Frontenac. Et s'il fallait que, par exemple, le front salin monte, c'est-à-dire parce qu'il monte plus rapidement que prévu, ça veut dire des immenses problèmes pour Lévis. Et nous-mêmes, on a une prise d'eau à Cap-Rouge. Et ça veut dire des problèmes plus tard que Lévis, mais des problèmes quand même potentiellement. Et quand je dis que c'est un problème collectif, eh bien, ça inclut aussi les municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier. Hein? Et je veux rappeler aussi qu'on avait, à la Ville de Québec, annoncé que si on voulait être sérieux, être considéré comme sérieux, il fallait qu'on soit exemplaire. Exemplaire dans le sens où il était possible de l'être en ayant le pouvoir de faire ce qu'on veut faire et qu'on allait s'inspirer des meilleures pratiques. Et donc, le premier geste qu'on a posé, c'est qu'on a éliminé 15 projets résidentiels dans le secteur du lac Saint-Charles où nos experts, François Morneau et les experts de la Ville et de la CMQ,
ont considéré que si ces projets de développement-là étaient mis en marche, ce serait trop lourd comme conséquence potentielle sur le lac Saint-Charles. Et donc, on a mis la croix sur 2 millions de taxes par année. On va survivre, mais là est le problème aussi pour beaucoup de municipalités. Le système fiscal des villes est ainsi fait que ta seule façon de survivre, c'est de développer et créer de la taxation. Sauf qu'aussi, en même temps, certains qui ont des connaissances en fiscalité vous diront que pour une certaine grosseur de ville, plus tu tentes de grossir, plus tu t'appauvris pour l'avenir. Alors, ça a l'air de rien, mais si les gens, certaines villes devraient faire un calcul, dans une certaine grosseur, plus tu développes, plus tu t'appauvris pour l'avenir, et c'est prouvé fiscalement. Alors, nous, en plus de ça, on a annoncé hier, deuxième geste, on a décidé de prendre 246 propriétés municipales appartenant à la Ville de Québec dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles et les transformer en réserves naturelles. C'est à peu près presque 7 km², c'est-à-dire 7000 hectares de terrains municipaux qui vont devenir des réserves naturelles. On va soumettre ça au ministère de l'Environnement, etc., etc. Et on va leur proposer une démarche parce qu'il faudra, pour chacun de ces terrains-là, proposer une espèce de processus d'aménagement qui va améliorer la situation. Certains deviendront des marais filtrants éventuellement, d'autres feront l'objet de reboisement. Mais on va faire le maximum et on va travailler main dans la main avec le ministère. Je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra, la situation, elle est critique et on ne peut plus reporter à plus tard. On a travaillé, on a fait bien des choses dans les 7 dernières années, mais tout ce qu'on a fait, parce qu'on est rendu à notre deuxième règlement de contrôle intérimaire, ça fait 2 fois qu'on bloque le territoire au développement. On l'a fait en 2010. Les gens s'en souviennent peut-être pas, mais on a bloqué le territoire au développement en 2010 pour développer de nouvelles façons de faire, de nouveaux critères pour le développement. Alors, ça fait la deuxième fois en 8 ans qu'on doit bloquer le développement. Alors, à un moment donné, quand ça fait 2 fois, il est peut-être rendu, on est peut-être rendu là où il faut être plus drastique. Parce qu'en 2010, là, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ça avait été quand même assez mémorable. On avait eu de grosses discussions, même plus ardues que celles qu'on a eues dans les dernières semaines. Quand on a fait le premier règlement de contrôle intérimaire pour bloquer le développement, ça avait été très drastique. Et malgré tout ça, malgré qu'on ait changé nos façons de faire sur le développement, bien, ça n'a pas été suffisant. Parce que le passé nous a rattrapés. Le passé, écoutez, l'aménagement des gens qui habitent autour du lac Saint-Charles ou des tributaires, Nelson, Rivière-Jaune, Rivière-Huron, ça fait au-delà de 50 ans. Hein? Alors, c'est pas parce que la Beaume est devenue vert que le lac Saint-Charles, tout d'un coup, est devenu pollué. Vous allez entendre ça ici, là. C'est pas très sérieux, mais vous allez entendre ça aujourd'hui ici. Alors, c'est 50 ans de conséquences. Et 50 ans d'évolution de loi qui était à l'époque quasi inexistant. Alors, on n'a pas de blâme à distribuer. On ne veut pas blâmer les élus qui étaient là avant nous. C'est la conséquence. C'est de même en société. Il y a une conséquence qui est là aujourd'hui, mais on ne peut pas passer à côté. Alors, je voudrais, pour ceux et celles qui nous écoutent, je suis devenu chimiste, moi, avec le temps, et je voudrais leur expliquer ceci, une coupe de BABA des problèmes qu'on vit avec le lac Saint-Charles. Vous avez ici, ce n'est pas de la crème glacée à la pistache. C'est un contenant de fertilisant. Vous avez là-dedans de l'azote et du phosphore. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, peut-être que vous en avez dans le sous-sol sur votre établi ou dans votre garage encore des contenants à moitié vides. Vous achetez ça au printemps parce que vous voulez un gazon tout à fait vert. Alors, vous achetez ça, vous épandez ça sur votre gazon, puis comme miraculeusement, ça l'aide à pousser. Vous en mettez probablement dans votre jardin pour aider, les plantes à pousser. Et ça marche. Ça marche très bien. Le seul problème, c'est que ça existe aussi dans la nature. Hein? Et la décomposition des feuillus, etc., etc., ça existe dans la nature. Et malheureusement, ça existe en passant, là, pour ceux qui s'intéressent, puis vous allez souper, mais ça existe des faux sceptiques. Bon, alors, il faut que je le dise, là. Et donc, il y a de l'azote et du phosphore là-dedans, et c'est présent dans la nature. Alors, quand on développe, puis on fait des coupes à blanc, et donc on asphalte, puis on fait des entrées en béton, etc., etc.,
Lorsqu'il y a des ondées, des orages, ça lave et ça se ramasse, ou ça percole dans le sol, puis ça se ramasse, veut, veut pas, dans un cours d'eau, parce que, comme on dit, un cours d'eau en cherche toujours un autre, l'autre, ça cherche toujours sa place. Et ça, si ça fait pousser votre pelouse, dites-vous bien, ça fait pousser les algues dans l'eau. Ça fait pousser les herbiers dans les cours d'eau, pas dans les cours d'eau, mais dans les lacs. Et si le lac Saint-Charles est comme il est là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu trop de développement aux alentours du lac et il y a eu trop de fosses septiques qui ne sont plus adéquates aujourd'hui. Alors, nos spécialistes vont vous en parler un peu plus. Et je termine en disant ceci. Le lac Saint-Charles, c'est pas juste le lac et la rivière Saint-Charles. Le lac Saint-Charles et la rivière Saint-Charles, ça a des tributaires, c'est-à-dire des cours d'eau qui viennent rejoindre le lac, qui viennent rejoindre la rivière. Et ces cours d'eau-là, bien, ils passent dans les municipalités de Stoneham, de Lac-Beauport, de Lac-de-Lage. Et inévitablement, ce qui se fait en amont finit en aval. Puis malheureusement, l'aval, c'est toujours le lac Saint-Charles ou la rivière Saint-Charles où nous autres, on prend notre eau à la Ville de Québec pour s'alimenter. Alors, il n'y a pas une ville qui peut dire que ça ne le regarde pas, que ça ne les regarde pas, c'est pas vrai. Même si vous ne faites pas exprès, la conséquence, c'est toujours qu'on paie, nous autres, un peu plus en aval à notre prise d'eau. Alors, il faut le comprendre, ça concerne tout le monde. Personne n'a le goût de polluer. Moi, je me lève certain qu'il n'y a pas un maire qui se lève le matin dans la région de Québec en disant « Qu'est-ce que je ferais plus pour polluer mon eau ce matin ?» ou pour polluer mon tributaire qui va se ramasser dans le lac Saint-Charles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ceci dit, la nature fait son œuvre, le développement fait son œuvre, il y a des conséquences, puis c'est ce qu'on vous explique aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on va passer l'action. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Alors, Mme de Longchamp, M. Morneau, M. Bouchard, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, la présentation va se faire en quatre temps. Je vais faire une brève présentation, une introduction à notre propos de ce soir. Madame Delongchamp va faire un état des lieux concernant le bassin de la rivière Saint-Charles. On va se concentrer sur ça ici parce que c'est la principale d'eau de la ville de Québec. Je vais reprendre après pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ce qui se passe sur le territoire. Et Maître Bouchard, qui est le procureur de la CMQ, va nous parler des responsabilités en matière de protection de sources d'eau. Alors, c'est un peu notre propos de ce soir. On va essayer d'être le plus vulgarisé possible. C'est toujours un défi, des fois, je vous avoue. Alors, je démarre en parlant, évidemment, de la question des sources d'eau. C'est une préoccupation qui, au Canada, a été amorcée après Walkerton en 2001. Les ministres provinciaux de l'environnement se sont réunis après Walkerton et ont développé un guide canadien sur des normes pour protéger les sources d'eau. Nous, au Québec, on amorce cette procédure-là avec le règlement sur la protection des sources d'eau potable. C'est tout nouveau. Donc, on s'inscrit dans une démarche provinciale, mais aussi dans une démarche canadienne. Lorsqu'on parle de sources d'eau, il faut penser qu'il y a de l'eau brute et il y a de l'eau potable. Alors, l'eau brute, c'est la goutte d'eau qui tombe sur le territoire, qui est amorti par la végétation, qui s'infiltre dans les sols, qui prend la couleur des sols d'une certaine façon, le goût, l'odeur, qui coule dans les ruisseaux, éventuellement, qui peut traverser des pelouses, filtrer des champs d'épuration, se ramasser dans une rivière, éventuellement dans un lac. Bref, c'est tout le parcours de cette goutte d'eau-là qu'il faut suivre. Donc, l'eau brute désigne l'eau qui n'a subi aucun traitement qui peut alimenter une station de production d'eau potable. Les coureurs des bois, d'autres, ils pouvaient prendre de l'eau comme ça sans problème. Ils avaient développé une aptitude, je dirais, de santé à prendre certains, des fois, des bactéries animales et autres. Mais de l'eau brute, il faut que ça soit traité. Même Aristote, au temps des Grecs, savait que de l'eau pluie, ça devait être bouilli pour que ça soit potable. Donc, une eau brute, on puise ça soit dans les rivières, soit dans les sols, on la traite, on la distribue et ça devient une eau potable. Donc, c'est tout un cycle, tout un cheminement qu'il faut savoir. Une fois qu'elle est potable, on la consomme, on la renettoie et on la remet dans la nature. Donc, c'est tout un cycle qu'il faut regarder d'une façon attentive. Les sources d'eau sur le territoire, évidemment, il y a les sources souterraines. Et jusqu'à maintenant, on avait parlé très peu des sources souterraines sur notre territoire.
très, très peu. Pourtant, il y a près de 50 000 personnes sur le territoire qui s'approvisionnent à même 18 000 puits. Donc, c'est surtout en périphérie des grands centres, à l'île d'Orléans, en périphérie de Lévis. Beaucoup puisent leur eau dans les sols. Et en principe, cette eau-là, elle est pure parce qu'elle est traitée par les sédiments, par la filtration des sables quand il y en a. Bref, en principe, elle est de bonne qualité. S'il n'y a pas d'industrie autour, s'il n'y a pas des éléments qui peuvent contaminer ces sources. Il y a quand même 682 000 personnes sur le territoire qui s'alimentent à même des aqueducs. Donc, les petits points noirs que vous voyez sur les cartes, c'est l'ensemble des puits. Vous voyez, c'est distribué vraiment sur le pourtour. Et les aqueducs, évidemment, sont tout près des grands centres. Alors, je reviens. Alors, lorsqu'on les puise dans les sources souterraines, évidemment, ça peut être en différentes profondeurs. Évidemment, plus on va chercher l'eau profondément, plus l'eau devrait être de bonne qualité. Plus le sol est perméable, granulaire, plus il va avoir une bonne alimentation par les eaux de ruissellement, par les précipitations. Mais par contre, c'est des milieux qui sont vulnérables à la pollution. Alors, si vous déversez des huiles, vous faites des dépôts en air sur des sols très, très perméables, vous risquez de contaminer ces sources d'eau potable. Par ailleurs, dans d'autres secteurs, on va les puiser, comme la rivière Saint-Charles, on puise à Wendake, la prise d'eau de Québec, sur la Montmorency de la même façon. Donc, on prend aussi des eaux de surface, qui nécessairement est une eau qui est beaucoup plus fragile à la contamination et qui exige à ce moment-là un traitement par des usines appropriées. Et plus on monte sur le territoire, plus les gens prennent leur eau dans des sols granitiques, dans des sols rocheux. Donc, on fait de la fracturation hydraulique, on essaie d'augmenter la fissuration du roc pour augmenter la porosité de ces puits-là. Le taux de renouvellement est beaucoup plus lent que dans un sol, donc c'est des milieux qui sont beaucoup plus fragiles. Alors, lorsqu'on contamine ces puits-là, le contaminant reste beaucoup plus longtemps dans les sols. Donc, quand on parle de sources d'eau potable, sources souterraines, sources de surface et sources dans le roc. Il faut savoir quand les rivières sont basses, sont en étiage, en sécheresse, l'eau qui circule dans les rivières, c'est les eaux souterraines. Donc, c'est intimement lié à tout le cycle de l'eau. Donc, pour ça que maintenant, quand on regarde une rivière en plein été, puis qu'on voit qu'il y a des polluants dedans, ça veut dire que les sources souterraines ambiantes sont polluées. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre maintenant qu'il faut regarder en matière de préservation des sources d'eau potable. Ce n'est pas uniquement les cours d'eau, les lacs. Donc, vous comprenez que une rivière, ça se renouvelle au mètre seconde. Alors, ce qui fait que cette rivière-là a cette capacité de s'épurer. Par contre, un lac, c'est un réservoir, une capacité d'accumuler des nutriments beaucoup plus longtemps, qui fait que ces lacs-là sont plus vulnérables. Plus ils sont peu profonds, plus ils sont vulnérables, d'autant plus. Bon. Alors, tout ce qui se fait sur un territoire finit tôt ou tard à soit contaminer des eaux de surface ou éventuellement des eaux souterraines. En 1850, la ville de Québec... 1850, je vous ramène lointain, vivait un drame incroyable. L'eau était rendue impropre, on la puisait dans le Saint-Laurent ou dans la rivière Saint-Charles, ou sur des puits de surface. Mais comme il n'y avait pas véritablement de système d'assainissement, il n'y avait pas d'aqueduc, ces eaux-là s'étaient fortement polluées. Et en plus, il y avait des périodes où il n'y avait pratiquement plus d'eau, la rivière Saint-Charles s'asséchait, et il y avait de grands incendies. Et la ville, en 1850, a décidé de se créer un aqueduc, qui a finalement pris forme en 1880 avec l'installation d'un château d'eau, en fait d'une prise d'eau à château d'eau, avec des conduites qui permettaient une distribution de l'eau jusqu'à Québec, qui remontait la haute ville de Québec et redistribuait à ce moment-là l'eau sur tout le territoire de la ville. En 1880, on avait l'aqueduc top niveau sur la planète. C'était vraiment une très belle réalisation. Ensuite, il a fallu attendre 1930, pour s'apercevoir que finalement, des fois, on avait besoin de plus d'eau. Alors, on a créé un réservoir au lac Saint-Charles. La ville s'est dotée dans sa charte constituante de pouvoir pour régir le développement autour de ce réservoir. Et on a laissé aller les choses jusqu'en dans les années 80, ou 60 et 80, où on a installé des usines. Et on a cru que les usines allaient faire toute la job. Alors, on a laissé le développement s'accaparer le territoire autour des sources d'eau potable, du réservoir, en pensant que les technologies allaient arriver au bout du traitement sans problème. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, traiter une eau commence à coûter très cher, et plus la goutte d'eau qu'on n'a pas protégée qui arrive à la prise d'eau, plus cette eau-là est de mauvaise qualité, plus elle coûte cher à traiter. Je rassure les gens tout de suite. Les eaux d'un aqueduc doivent répondre à des normes très sévères du ministère de l'Environnement.
Donc, c'est pour ça que cette eau-là coûte de plus en plus cher parce que les normes sont de plus en plus resserrées. Donc, l'eau qu'on boit dans nos robinets est de très bonne qualité. OK? C'est l'eau brute qui se détériore, qui exige le meilleur traitement. Toutefois, nos 18 000 citoyens qui s'alimentent, nos 50 000 citoyens qui s'alimentent dans les puits individuels ont la responsabilité de vérifier leur qualité d'eau potable au moins deux fois par année. Et on le sait que ça se fait très peu. Et on sait que plusieurs de ces puits-là ont de plus en plus de mauvaises eaux. Donc, c'est préoccupant pour nous aussi, cette question. Maintenant, je vais demander à Mélanie Deslongchêne de nous faire un état des lieux. En fait, c'est un peu la synthèse des connaissances depuis 2007. Il faut savoir que la Ville de Québec a mandaté l'organisation pour faire l'ensemble des suivis sur le bassin de la Saint-Charles. Et c'est ces résultats-là que Mme Deslongchêne nous présente. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, la présentation, comme M. Morneau le dit, c'est les enjeux de la prise d'eau potable sur la rivière Saint-Charles. Notre organisme, l'APEL, protège et met en valeur le riche patrimoine écologique du bassin versant de la rivière Saint-Charles depuis maintenant 35 ans. Qu'est-ce qu'on fait comme organisme? On fait, entre autres, de la restauration environnementale, c'est-à-dire qu'on renaturalise des rives, on fait des fossés écologiques, on fait aussi de la restauration de cours d'eau. On sensibilise les gens, on produit des bulletins d'information, on fait de nombreuses études, des revues littérature, on fait des enquêtes, puis on fait aussi de la conservation, c'est-à-dire, vous connaissez peut-être les marais du Nord, au nord du lac Saint-Charles. Je dis « on » parce qu'une partie de l'équipe est en arrière ici avec moi. Je fais ça avec de nombreux collaborateurs et aussi on le fait en collaboration avec les universités de la région, notamment l'Université Laval, l'INRS. Il y a aussi des universités avec qui on collabore en France et en Allemagne. Et surtout, il faut comprendre que dans le fond, nous, on fait ça en collaboration avec, oui, tout ce monde-là, mais aussi en partenariat avec la Ville de Québec. Et c'est la Ville de Québec qui réalise toutes les analyses en laboratoire, dans le laboratoire de la Ville de Québec. Donc, ça vous donne une idée que ça prend beaucoup de personnes pour réaliser ces études-là. On ne le fait pas tout seul, on le fait en collaboration. Donc, qu'est-ce qu'un bassin versant? On entend beaucoup parler des bassins versants, on ne sait pas toujours ce que c'est, donc j'aimerais refaire un petit peu une mise à niveau. Donc, un bassin versant, c'est l'ensemble de l'eau qui coule en surface, mais aussi, il peut y avoir des bassins versants d'eau souterraine, donc c'est l'ensemble de l'eau qui coule vers le point le plus bas. C'est une unité géographique. Donc, si on prend l'image ici que vous avez, si on regarde en arrière, ça pourrait être les montagnes de Stoneham, Lac de Lage, Lac Beauport, et puis l'eau coule dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles. Je vais situer les rivières qu'on va vous parler. Donc, regardez la carte. Vous avez le lac Saint-Charles qui est au centre, environ au centre. Et le lac Saint-Charles, c'est le réservoir d'eau. Et c'est non la prise d'eau. Souvent, on mélange les deux. La prise d'eau est dans le secteur de Wendake, c'est le petit robinet rouge. Donc, l'eau qui coule dans le lac Saint-Charles vient de la municipalité de Stoneham et de Lac de Lage. Et l'eau de Lac Beauport et le secteur de Val-Bélair coule après le lac Saint-Charles, c'est-à-dire dans la rivière Saint-Charles. Donc, il faut vraiment remettre en perspective parce que ceux qui ont de l'impact, dans le fond, sur le réservoir, c'est seulement deux municipalités. C'est peut-être pour ça aussi, des fois, qu'il y a des enjeux au niveau politique. Par contre, on prend bien l'eau à Wendake, dans le secteur de Château-d'Eau. Donc, tout le secteur de Lac-Beauport et le secteur de Val-Bélair affectent la prise d'eau. Donc, au niveau du territoire, c'est 348 km². 348 km², donc 46 000 habitants. 7 municipalités et Wendake, 5 000 bâtiments sur installation septique, 2 usines de traitement des eaux usées, des routes, des autoroutes, des activités récréatives, carrières, sablières, cimetières de voitures. Ce que je veux démontrer par ça, c'est que c'est un effet d'accumulation. Ici, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui arrive sur le territoire, plus qu'on ajoute des choses, plus qu'il y a un effet d'accumulation, et c'est là qu'on détériore la qualité d'eau. C'est pas une personne qui est responsable, mais c'est tout le monde qui est responsable. Parce que s'il y avait personne qui vivait dans le territoire, ça irait certainement mieux. Donc, c'est pas une personne, mais tout le monde l'est coupable.
Nous, ce qu'on fait comme organisation, on fait beaucoup, beaucoup de suivi de qualité d'eau. Vous voyez sur cette carte-ci, il y a plusieurs points d'échantillonnage, mais il y a aussi des endroits où on fait des enquêtes. On a un suivi de réseau de rivières, qu'on a 39 stations qu'on fait aux deux semaines à tous les deux ans. Donc, ce suivi-là qu'on fait nous aide à savoir c'est où les problématiques. Puis suite à ça, il arrive qu'on doit faire des enquêtes pour connaître vraiment spécifiquement qu'est-ce qui arrive sur le territoire. Ces enquêtes-là débouchent, par exemple, à des moments où on peut savoir c'est peut-être un fermier, c'est peut-être un égout croisé. L'égout croisé, je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi, mais à la sortie d'une résidence, il arrive que les gens mettent le tuyau d'égout sur le pluvial et le pluvial sur l'égout. Donc, quand on fait ça, ça veut dire que tout l'égout se retrouve à la rivière. Donc, quand on fait des enquêtes, on va signaler à la ville, par exemple, qu'il y a des secteurs où que les gens ont croisé les égouts. Ça arrive encore aujourd'hui dans des quartiers résidentiels nouveaux, donc il ne faut pas penser que tout est encore parfait maintenant. Donc, pour vous donner une idée de toute l'information, qui se passe sur le territoire, on a 30 000 données sur les rivières, on en a plus environ 20 000 sur le lac Saint-Charles, donc c'est énormément de données qu'on va vous donner ce soir. Donc, je vous demanderais d'écouter parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire, puis je vais y aller vite. Donc, dans le secteur de Stoneham, sur la rivière des Hurons, il y a les problématiques qu'on a, c'est beaucoup relié les dernières années. Puis pourquoi le lac a vieilli si rapidement? C'est entre autres à cause de la construction de l'autoroute à Stoneham. Pendant la construction de l'autoroute, c'est des centaines de camions il y a eu du déblai, du remblai pendant la construction. Donc, c'est là qu'on a fait beaucoup aussi d'imperméabilisation. Puis maintenant, on a aussi à mettre du sel sur les routes. Donc, c'est l'impact de l'autoroute et à ne pas nier. On va aussi voir tout à l'heure des photos. Il y a aussi des contaminations fécales. Pourquoi il y a des contaminations fécales? Notamment, normalement, ça vient soit des petites fermettes, soit des animaux domestiques ou encore des installations septiques. L'EPA aux États-Unis dit que 30 % des coliformes fécaux qui se retrouvent dans l'environnement viennent des animaux domestiques, dont nos amis les chats et les chiens. Donc, c'est aussi important de ramasser leurs excréments sur les terrains. Ça nous arrive au printemps de mettre les deux pieds dedans quand on fait de l'échantillonnage de cours d'eau. Donc, ça vous donne une idée d'où viennent les coliformes fécaux. Il y a aussi des sources d'azote inconnues. On peut parler, entre autres, à des endroits où on est en train de faire des recherches, à savoir est-ce que c'est un ancien site d'enfouissement, est-ce que c'est des castors, est-ce que c'est du développement. Donc, il faut enquêter pour connaître ces sources-là. Il y a des apports en sédiments lors des chantiers de construction. Notamment, je vous ai parlé de l'autoroute. Lors du chantier de l'autoroute, on était en plein dedans à l'été 2011. On a eu environ 28 camions de 10 roues, des camions qui sont descendus dans la rivière des Hurons puis qui se sont en allés jusqu'au lac. Quand on parle de sédiments, quand on parle de sédiments fins, c'est aussi ce que M. Labombe expliquait tout à l'heure, du phosphore et de l'azote. Quand on a des sédiments dans l'eau, ça alimente les cyanobactéries, ça alimente les plantes aquatiques. Retenez ça parce que plus tard, vous allez voir comment les plantes aquatiques ont proliféré au lac Saint-Charles. Aussi, l'effet de l'autoroute sur la rivière des Hurons. Vous regardez les deux cartes, vous avez une différence entre 2011. L'autoroute n'était pas en service. En 2013, l'autoroute était en service. Donc, on voit la différence au niveau de la conductivité. Les petits points en haut, en 2013, sont devenus jaunes et oranges. C'est-à-dire que la conductivité, c'est-à-dire qu'il y a plus de sel dans l'eau, a augmenté. Les points peuvent équivaloir à des endroits sur, notamment, à Val-Bélair, où c'est construit. Dans ce secteur-là, c'est très peu construit, donc on sait que c'est l'autoroute qui a eu cet impact-là sur la conductivité, le sel dans l'eau. Regardez l'empreinte sur le territoire. Donc, vous voyez très bien l'autoroute. Au fond, complètement, c'est le lac Saint-Charles. Donc, ça a eu un impact d'imperméabilisation, mais aussi, pendant la construction, on a dynamité, on a déblayé, remblayé. Donc, ça a eu, c'est sûr que ça a un gros impact. Sur le bassin de la rivière Nelson, qui se situe notamment dans le secteur de Val-Bélair, il y a eu une hausse de la conductivité dans la rivière, c'est-à-dire encore des sels de voirie. Pourquoi? Parce que, notamment, on a tellement construit proche des cours d'eau qu'on maintenant, on envoie la neige directement dans les cours d'eau, notamment, et puis on a imperméabilisé en construisant. Donc, c'est ça que ça a comme impact. Sur la Nelson aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que
qu'il y a une bonne nouvelle. Il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles, il y a eu des améliorations. On a une baisse des coliformes fécaux. Donc ça, c'est parce que, entre autres, la Ville de Québec a fait beaucoup de campagnes pour réduire les égouts croisés. Donc, il y a aussi des améliorations sur le territoire, puis il faut le mentionner parce que les partenaires font des efforts pour améliorer et on a directement des résultats dans, dans les cours d'eau. Sur la rivière Jaune, il y a une contamination fécale dans à peu près tout l'ensemble de la rivière, mais surtout à partir, je vous dirais, un peu au sud du lac Beauport, là, vraiment le lac, notamment à cause des installations septiques. On a principalement des contaminations fécales dans la rivière Jaune en raison des installations, parce qu'on voit qu'en été, quand il n'y a pas beaucoup d'eau en période de sécheresse, on voit spécifiquement là, que c'est les nappes, comme M. Morneau disait tout à l'heure, c'est les nappes qui alimentent la rivière, puis on le voit qu'en période de sécheresse, les coliformes augmentent, puis que la rivière est contaminée. Donc, c'est entre autres les installations septiques du territoire qui sont problématiques. Donc, quand on fait des enquêtes, ça ressemble à ça. On rentre dans les tuyaux, on va voir toutes les conduites pluviales. Donc, ça peut vous donner une idée du travail qui est fait. Au niveau de la rivière Saint-Charles, il y a eu aussi une amélioration au niveau des coliformes fécaux. Pourquoi il y a eu une amélioration? C'est notamment, il y a eu une station de pompage qui a été refaite. Il y a eu le réseau d'égouts, il y a eu énormément d'investissements. Donc, ça a eu un impact au niveau des coliformes fécaux. Donc, maintenant, sur la rivière, si vous regardez le graphique ici, en 2008 et 2013, vous voyez qu'il y a une tendance à la baisse toujours des coliformes. Puis que maintenant, parce que la norme pour la baignade, c'est 200. Et vous voyez que maintenant, on pourrait se baigner là, dans la rivière parce que la norme est bonne. On ne dépasse plus la norme. Mais avant, en 2008, on la dépassait régulièrement. Au niveau du lac Clément, le lac Clément, c'est le petit lac qui est situé au nord de Charlebourg, tout à la limite de Stoneham, qui a vu en 1994, l'autoroute a parti de Charlebourg, l'autoroute Laurentien est partie de Charlebourg et montée jusqu'à Stoneham. Donc, à partir de 1994 jusqu'à aujourd'hui, le lac s'est salinisé. Et maintenant, il y a une stratification aline, c'est-à-dire que comme le sel, c'est plus dense, le sel se retrouve dans le fond du lac et il est stratifié, c'est-à-dire que le fond du lac est plus dense. Au printemps, quand la neige fond, normalement, un lac se brasse, se mélange. Mais le lac Saint-Charles ne peut plus se mélanger du fait que le lac... Excusez, le lac Clément. Le lac Clément ne peut plus se mélanger parce qu'il est tellement salé dans le fond qu'il n'est plus capable, la densité est trop forte, donc au printemps, il ne se mélange plus. Ce que ça apporte comme problématique, c'est qu'il va manquer d'oxygène plus tard dans l'été. Mais aussi, il est tellement salé qu'il a dépassé le seuil de toxicité chronique là, pour la vie aquatique. Au niveau du lac Beauport, le lac Beauport, dans le fond, il y a eu une caractérisation des herbiers aquatiques en 1999. Sur la carte, vous voyez les petits points jaunes, c'était les herbiers qui avaient été identifiés en 1999. Nous, quand on est allé faire la diagnose en 2013, vous voyez que les herbiers aquatiques avaient augmenté quand même significativement. Donc, quand on a de plus en plus de plantes aquatiques ou de cyanobactéries dans un lac, c'est qu'on apporte des nutriments. Les nutriments arrivent des engrais, comme M. Labeaume l'a dit tout à l'heure, mais ils arrivent aussi des installations septiques, des eaux usées. Donc, il y a eu quand même un apport important. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de cyanobactéries au lac Beauport. Le lac Beauport, quand nous, on a fait la diagnose en 2013, pendant tout l'été ou environ 2 mois, il y a eu cet aspect-là qui est vert. Vers pourquoi? Parce que c'est des cyanobactéries dans la colonne d'eau. On parlait environ de 100 000 cellules de cyanobactéries à peu près tout l'été. Au lac Saint-Charles, rarement, on va arriver à 20 000. Puis le 20 000 que je mentionne de cellules, c'est là qu'on fait des alertes. Le ministère déclenche des alertes puis avise les gens qu'il y a des cyanobactéries. Pourquoi il n'y a pas de fleurs d'eau au lac Beauport? Pourquoi ça se retrouve dans la colonne d'eau? C'est qu'il y a tellement de brassage parce qu'il y a des bateaux à moteur. Donc, les cellules les cyanobactéries restent dans la colonne d'eau. Il faut aussi dire que ce n'est pas nécessairement les mêmes cyanobactéries qu'il y a au lac Saint-Charles et au lac Beauport, parce que le lac Beauport est plus jeune. Donc, sont pas aussi toxiques qu'au lac Saint-Charles, mais c'est quand même, ça démontre l'importance de diminuer les sources de phosphore et d'azote dans le lac Beauport si on ne veut pas se retrouver avec les mêmes problèmes qu'au lac Saint-Charles.
Au niveau du lac Saint-Charles, maintenant, c'est le bassin versant du lac Saint-Charles que vous voyez. Donc, je vous rappelle qu'il y a dans ce bassin-là environ 9 000 habitants, 5 municipalités, plus de 2 000 installations septiques, 2 stations d'épuration, route, autoroute, ski, golf, carrière sablière. En 2007, quand on a fait l'évaluation du lac Saint-Charles, il y avait l'élodée du Canada, qui est une plante envahissante, n'avait pas été répertoriée. Quand on a caractérisé en 2012, on avait déjà 7094 mètres carrés. Ça veut dire qu'il y avait de la nourriture de disponible. Je vous rappelle que la construction de l'autoroute, mais aussi du développement résidentiel, était en cours à Stoneham. En 2007 et 2012, vous voyez la différence au niveau du mériophile à Épi. On avait quelques endroits où il y avait du mériophile en 2007. Et en 2012, le mériophile avait pris énormément de place. C'est-à-dire que dans le fond, le lac Saint-Charles, les plantes aquatiques ont augmenté de 8 fois. C'est ça que ça ressemble du mériophile à Épi. Il n'y a plus personne qui veut aller faire du canot, du kayak ou même... C'est sûr qu'on ne peut pas se baigner, mais il y a des gens qui tombent à l'eau. Là. Donc, c'est pas intéressant d'aller mettre les deux pieds dans ça. Donc, c'est pas intéressant pour les gens qui vivent autour. Puis éventuellement, c'est aussi qu'il va y avoir toute cette matière en décomposition-là qui va se retrouver dans le fond du lac, puis qui vont aussi libérer une charge de phosphore et azote. On retrouve présentement beaucoup de plantes aquatiques, puis aussi des cyanobactéries. Mais là, présentement, il y a comme une compétition pour prendre le phosphore et l'azote. Est-ce que c'est les cyanobactéries qui vont l'utiliser ou c'est les herbiers? Donc, au niveau des cyanobactéries, je viens d'en parler, c'est les algues bleu-vert. Ça ressemble à ça, une petite soupe au pois. Il y en a à tous les années dans le lac Saint-Charles. En 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et en 2015, on en a vu à chaque année. Je vous ai mis plusieurs photos pour vous dire que peut-être qu'on n'en entend plus parler dans les médias à tous les ans, mais il y en a quand même pareil. Donc, on a 29 genres qui sont répertoriés. On a 112 éclosions répertoriées depuis 2006 et on a vu un changement de communauté de cyanobactéries. Avant, on avait microcystis. Ce qu'il faut retenir, microcystis, elle a juste une toxine qui est capable de développer. Et depuis 2009, c'est Anabena qu'on voit en dominance dans le lac. Anabena, c'est 5 toxines différentes. Donc, on ne veut pas avoir Anabena. Puis, dans la littérature, on dit qu'Anabena, elle aime beaucoup l'azote. Donc, il ne faut pas juste travailler sur le phosphore, il faut aussi travailler sur l'azote. Processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a autant de cyanobactéries, s'il y a autant de plantes aquatiques, c'est qu'on a enrichi le lac, puis qu'il est en train de vieillir. Pourquoi on a pris l'image du 5 ans, qui a vieilli de 25 ans en seulement 5 ans? C'est pour expliquer. Parce que si je vous mets une échelle d'eutrophisation d'un lac, peut-être que c'est pas tous les gens qui le comprennent, mais dans le fond, normalement, on n'est pas capable, vous et moi, de voir un lac vieillir. Mais pourtant, j'ai des témoignages de citoyens qui vivent autour, qui sont capables de me dire qu'ils l'ont vu vieillir. Puis moi, ça fait 16 ans que je travaille à l'appel et je l'ai vu vieillir. Donc, c'est pas normal. C'est ça qu'il faut comprendre puis qu'on essaie d'expliquer. C'est pas normal de voir vieillir un lac. C'est normalement sur des centaines, voire des milliers d'années qu'un lac vieillit. Donc, en 2007-2008, le lac était à un état mésotrophe, puis il était à mésotrophe depuis plusieurs années. En 2012, 2013, 2014, il était mésoeutrophe, donc il a vieilli très rapidement. Pourquoi? Il a pris un coup de vieux, je vous l'ai dit, mais je vais aussi vous revenir avec plein d'images. Donc, quelles sont les sources de contamination? Il y a les eaux usées. Les eaux usées, c'est quoi qu'il y a dans les eaux usées? C'est dans le fond, nos savons, mais aussi ce qu'on fait sur la toilette. Puis dans les savons, c'est sûr qu'il y a plusieurs contaminants, là, on ne prend pas tous du biologique. Et puis, il y a aussi, dans ce qu'on rejette comme humain, beaucoup d'azote. Puis l'azote voyage sur des kilomètres. Donc, il faut le savoir, il faut s'en rendre compte. Donc, quand on fait une installation septique, bien qu'elle soit conforme, une installation septique, c'est fait pour traiter des coliformes fécaux pour pas que votre voisin soit malade quand, dans son puits artésien, il prend de l'eau. Dans le fond, c'est une question de salubrité. Mais c'est pas fait pour traiter de l'azote puis du phosphore. C'est pour ça que, si on regarde le territoire, c'est ça l'ensemble des installations septiques qu'il y a sur le territoire. Donc, c'est un effet d'accumulation. Si une personne a une installation septique, c'est pas problématique. C'est quand on accumule les installations septique dans un secteur qu'on se retrouve avec des problèmes. C'est toujours ça, c'est pas de penser que moi, je cause un problème, c'est quand on est 100, 1000 un à côté de l'autre, c'est là qu'on cause des problèmes.
Il y a aussi deux usines de traitement des eaux usées, une à Stoneham et une à Lac-de-Lage. On dit, on le répète, ils sont aux normes. Par contre, est-ce que les normes sont assez sévères pour être en amont d'une prise d'eau? On en doute. Notamment parce qu'ici au Québec, il n'y a aucune norme sur l'azote, puis que bientôt, il va y avoir des nouvelles normes sur le phosphore, mais qui sont difficilement atteignables. Donc, c'est notamment pour ça. Il y a aussi cinq golfs qui créent des problématiques. C'est celui du tournant, mais il y en a d'autres sur le territoire, puis ils ne sont pas plus coupables qu'un autre, mais ils font partie des problèmes. Il y a la villégiature, il y a des centres de ski qui, notamment pour les compétitions, puis c'est pas seulement à Stoneham, mais ailleurs pour les compétitions, vont mettre de l'engrais pour faire durcir la neige. Il y a aussi des coupes forestières sur les terres du séminaire. Il y a des sablières. Les sablières, qu'est-ce que ça peut apporter? C'est évidemment, le sable peut s'envoler quand il y a du vent, puis il peut se déposer sur les lacs, donc c'est encore une source d'apport d'azote et de phosphore des matières en suspension. Il y a des cimetières de voitures, notamment celui sur la rue Roussin, mais il y en a d'autres. Il y a du développement résidentiel. Le développement résidentiel, quand il est fait en montagne, qu'on dynamite, qu'on déblaire, remblaie, qu'on laisse du sol à nu pendant les pluies. Puis Dieu sait qu'à Stoneham, il y a des grosses pluies. À Lac-Beauport, il y a des pluies torrentielles en fin de journée. Donc, ce qu'on retrouve dans le bas, dans les fossés, vous le voyez, c'est des sédiments. Ces sédiments-là, c'est de la nourriture pour les cyanobactéries puis pour les plantes aquatiques. Il y a aussi tout le drainage urbain, le drainage qui est fait sur les propriétés privées. Vous voyez le genre de développement, c'est un développement qui respectait la RCI en 2013, sauf qu'on a beaucoup déblayé, on a beaucoup enlevé de végétation. Donc, quand on retrouve des grosses pluies, le sable s'est retrouvé dans le cours d'eau, dans la rivière Hibou, et puis on a eu des problématiques, dans le fond, d'érosion sur ce chantier de construction-là. Donc, vous voyez ce qui s'est passé sur le territoire en 2007 et 2013 à Stoneham. On a fait du développement, entre autres, avec l'autoroute. Je vais vous le repasser, là. Donc, il y a eu du développement résidentiel, des routes. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'en 2008 et 2013, c'est 6 km carrés de forêts qui sont disparues. C'est soit l'équivalent de 700 terrains de soccer moyens dans le bassin versant, 4,4% du territoire. Pour avoir fait ça, c'est pendant des mois et des mois que des employés ont fait tout le tour de toutes les petites propriétés, des piscines, etc. Donc, on a un détail très fin de ce territoire-là. Donc, on le sait là, que c'est ça qu'il y a eu entre 2008 et 2013. Donc, quand on déforeste, qu'est-ce que ça fait? Quand on enlève des arbres, on ne permet plus à l'eau à s'infiltrer, à se filtrer naturellement. Et l'autre sujet, c'est les ions chlorures, c'est les sels de voirie. Vous voyez, c'est à l'entrée de Châteaudeau. Entre 1977 et 2015, il y a une augmentation constante des sels de voirie. Pourquoi? Parce que, un, il y a un effet d'accumulation dans l'environnement. Les ions chlorures, les chlorures, ça ne disparaît pas, ça ne volatilise pas. Donc, ça s'accumule. Et aussi, plus qu'on imperméabilise, plus qu'on fait des routes, plus qu'on densifie un territoire en montagne, plus qu'on fait une autoroute, on accumule du sel. Donc, c'est pour ça que le graphique est comme ça. Donc, si on reprend puis on fait une synthèse, l'impact de l'urbanisation sur le territoire, vous voyez, un territoire qui est naturel, l'eau va aller doucement monter dans la rivière puis redescendre tranquillement. Il va y avoir quelques petits sédiments, des nutriments. Mais quand on urbanise un territoire, il y a aussi un impact sur le fait que l'eau va arriver très rapidement dans les cours d'eau puis va créer des inondations. Il n'y a pas seulement une question de qualité d'eau. Je vous ai parlé beaucoup de qualité d'eau, mais il y a une question de quantité. Présentement, au lac Saint-Charles, on est en période d'étiage, en période de sécheresse, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Il y en a eu hier. Mais il n'y a pas eu beaucoup de pluie, puis la neige est pas très... Il n'y a pas beaucoup de couvert neigeux présentement. Donc, on a une période d'étiage, puis on peut en avoir aussi en été. Donc, c'est bien que la forêt et le territoire retiennent l'eau, puis la relâchent tranquillement, que les milieux humides la relâchent tranquillement. Mais quand on urbanise, qu'on imperméabilise, on relâche très rapidement, il y a des coups d'eau, on crée des inondations dans des secteurs, notamment à Lac-Beauport ou à Lac-Saint-Charles. Donc, c'est important aussi de garder le couvert naturel sur les terrains des gens. Enfin, donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Il y a une dégradation de l'eau du lac Saint-Charles, puis quand elle arrive à l'UTE de Québec, à l'usine de traitement des eaux de Québec, bon, elle est dégradée. Donc, ça va coûter éventuellement plus cher en coût de production.
Puis, il y a aussi un risque de fermeture de l'UTE de Québec. L'an passé, à Toledo, 400 000 personnes n'ont pas eu d'eau pendant quelques jours parce qu'il y avait trop de cyanotoxines dans l'eau. Donc, on ne veut pas personne vivre ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas y arriver là? Puis vous faire comprendre qu'il y a une urgence d'agir. Donc, il faut améliorer les eaux usées. Il faut améliorer la performance des deux usines de traitement ou sinon même les raccorder au réseau d'égouts de Québec. Raccorder le plus possible de maisons à l'égout. On le sait que c'est pas tout le monde qui va pouvoir, puis on sait qu'on peut pas raccorder l'ensemble du territoire. Mais les endroits où ils sont densément peuplés, où on sait qu'il y a des contaminations, il faut raccorder à l'égout. Ça va coûter cher, on le sait, mais il faut le faire. Diminuer des sels de voirie, c'est, ça ne va pas être simple non plus parce que personne ne veut qu'il arrive d'accident. Donc, il faut trouver des solutions. Puis c'est avec tout le monde qu'il va falloir les trouver, ces solutions-là. Reboiser les rives et l'ensemble du bassin versant, il faut le faire pas seulement au lac Saint-Charles, mais dans l'ensemble du territoire du bassin versant. Améliorer la gestion des eaux pluviales. Quand on refait des rues, il faut les faire 2.0. Il faut bien les faire. Et aussi, il faut encadrer le développement dans les zones sensibles. Oui, ça se peut et il y a de l'espoir. C'est tout le temps la question. Quand on fait cette présentation-là, puis ça fait plusieurs fois qu'on l'a fait, on arrive tout le temps à la même question à la fin, c'est est-ce que c'est possible de revenir en arrière? C'est possible. Combien de temps que ça va prendre? Je ne peux pas vous répondre. Je ne pourrais pas vous répondre, puis personne ne peut vous répondre, à peut-être Jojo Savard, mais je ne le suis pas. Il faut savoir que si ça a pris des années dégrader le lac, ça va prendre des années, revenir en arrière, mais c'est faisable. À Munich, qui est un lac assez grand en banlieue de Munich, la ville a pris en charge le lac, puis ils ont raccordé à l'égout, ils ont fait de l'agriculture biologique, et ils ont réussi à revenir à l'arrière. Le lac était plein de plantes aquatiques, il était dégradé, puis maintenant, on a un retour à l'arrière qui est possible. Donc, c'est fait. Puis aussi, en Suisse, il y a aussi une diminution notable dans plusieurs lacs de l'apport en phosphore, parce qu'ils ont raccordé des stations d'épuration, ils ont fait des stations d'épuration, ils ont raccordé les gens, puis ils ont fait de l'agriculture biologique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas seulement prévenir l'avenir en faisant des règlements, mais il faut aussi rétablir le passé. Il faut refaire des infrastructures. Donc, il y a beaucoup d'investissements à faire dans les prochaines années. Merci. Alors, on a eu un bilan ici du bassin de la Saint-Charles. Il faut savoir qu'il y a d'autres bassins sur le territoire où on est peut-être plus en mode préventif. En fait, on voit qu'il y a du développement qui s'accélère. C'est peut-être le moment, justement, de changer, de modifier certaines pratiques en matière d'aménagement du territoire. On n'a pas parlé du fleuve ce soir. Je vais en dire quelques mots. Le fleuve, Québec s'alimente à peu près à 22 % dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Cap-Rouge. Et Lévis va chercher 80 % de son eau dans le fleuve. Vous avez vu dans les journaux dernièrement une préoccupation par rapport à la salinité. Écoutez, la salinité, on a commencé à regarder cette question, on s'aperçoit finalement, c'est notre sel de voirie finalement qui actuellement affecte la qualité des prises d'eau. Les pics qu'on enregistre sont quand même fort importants. Et donc, finalement, tout ça nous rejoint, qu'on mette le grain de sel en haut, et finalement, comme il est très soluble, le sel, finalement, il fait tout le parcours, il se ramasse dans le fleuve, et avec les marées, ça se promène avec son cycle de marée le long des berges. Toutefois, j'ai dernièrement fait une rencontre avec, je dirais, les meilleurs spécialistes au Québec sur la question des changements climatiques en rapport avec le fleuve. Tous sont unanimes pour dire que tôt ou tard, le coin salin, c'est-à-dire la portion où on a le prisme d'eau salée en face de Montmagny, je dirais, va finir par migrer vers Québec d'une façon au départ épisodique, au gré de grandes marées, au gré de niveau d'eau du fleuve beaucoup plus bas, parce qu'en amont, on s'attend que le fleuve ait subisse de bonnes baisses pendant l'été à cause de l'évaporation des grands lacs, qui est un gros tributaire du fleuve. Donc, à la faveur de bas niveaux d'eau du fleuve en amont, avec la mer qui s'élève de plus en plus dans le golfe, on s'attend que ce coin salin monte vers Québec. On n'a pas besoin d'avoir de l'eau de mer à Québec. Il s'agit d'avoir un petit peu plus d'eau salée qui s'ajoute à notre sel de voirie pour que ça pose des problèmes. Dessaler l'eau, on commence à vouloir l'évaluer, comment ça coûte. C'est une fortune en énergie, mais c'est peut-être le dernier point, en fait, c'est peut-être le seul, je dirais, plan B que nous avons en matière d'approvisionnement en eau. Vous savez que Québec,
Dans le bassin de la Saint-Charles, on a de plus en plus des étiages sévères, c'est-à-dire des périodes de sécheresse pendant l'été. Les changements climatiques, ce qu'ils nous annoncent, c'est que sur une base annuelle, on va avoir peut-être plus d'eau, mais pas distribuée de la même façon. Regardez cet hiver, pas beaucoup de neige, il pleut. La neige, c'est un réservoir superficiel qui fait que pendant l'été, pendant le printemps, plutôt, cette neige-là se transforme en eau, recharge nos aquifères, crée des crues sur les rivières et permet de tout rééquilibrer le système. Ce printemps, nous n'aurons pas de gros volumes de neige pour remplir nos réservoirs souterrains et nos rivières. OK? Cet été, on risque d'avoir de la chaleur et des étiages, et l'automne, c'est de plus en plus pluvieux. Donc, sur une base annuelle, on a beaucoup d'eau, mais on n'est pas capable de la retenir. Puis pendant où on en a le plus besoin, on va en avoir de moins. La Montmorency, la Saint-Charles, la Jean-Cartier ont toutes le même régime hydrologique, c'est-à-dire qu'ils ont des pics à des moments et ça sèche très rapidement. Donc, on n'a pas de capacité de réserve d'eau. Et c'est pour ça qu'il faut s'attaquer tout de suite à protéger nos réservoirs souterrains, qui sont des filtres naturels, et essayer de garder le plus possible de l'eau dans la tête des bassins. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de reboisement. Donc, c'est rien qu'une petite introduction pour compléter ce que Mélanie a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on sait tout ça? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes de plan d'action? Donc, on a commencé à travailler sur la qualité, l'analyse des risques. On a déjà une réglementation qui nous invite à le faire. Nous, on veut le faire d'une façon très précise sur le territoire. Je vous dirais que depuis plusieurs mois, on est à pied d'œuvre à la CMQ avec un ensemble de partenaires. Donc, c'est de regarder qu'est-ce qui sont les enjeux sur le territoire en regardant le passif, c'est-à-dire ce qui est déjà là en place. S'il y a une chose à dire sur le RCI passé, c'est qu'on s'est intéressé au développement futur. On n'a pas regardé ce qui était déjà à corriger. Ça, il faut très rapidement s'y attaquer, donc regarder les mesures qu'il faut mettre en place. On regarde aussi la question de quantité. La région de Québec a la chance de se développer encore. On est encore en développement. Il y a encore de la demande pour développer un peu partout sur le territoire, mais ça ne s'est jamais fait, ce développement-là, en regard en termes de disponibilité de l'eau. C'est comme la pensée magique. On fait une rue, on fait un puits, puis oh, on a de l'eau. Mais sur le territoire, on sait déjà qu'il y a des puits qui n'ont pas beaucoup d'eau pendant l'été parce qu'on a séché la montagne, on a tellement déboisé, on a tellement drainé la montagne qu'elle ne se recharge pas. Donc, il y a des propriétaires qui ne peuvent plus vendre leur propriété parce qu'ils n'ont pas assez de quantité d'eau, ne passent pas le test de la potabilité pour avoir l'hypothèque. C'est une préoccupation. Et avec les changements climatiques, quand sera-t-il de notre climat en 2030? 2030, là, c'est demain matin en matière de construction d'infrastructures et autres. Donc, on a mis en place, encore une fois, une équipe avec un consortium, le consortium Urana sur les changements climatiques, avec les universités régionaux. On veut travailler sur cette question, comment le climat va affecter notre hydrologie. On le voit déjà, depuis 10 ans, notre hydrologie n'est plus la même. Donc, l'étude sur l'offre et la demande. Et l'autre affaire, c'est... Quand on sait qu'il faut monter un aqueduc parce que l'eau n'est plus potable, on sait que dans certaines localités au nord de Québec, les gens qui étaient sur plus d'eau potable exigent maintenant, en fait, qu'il y a une nécessité d'amener un aqueduc. On va la prendre où, cette eau-là, pour leur fournir. Donc, il y a des questions déjà très importantes qui sont peut-être, là, que c'est pas le cas de Flint ou de Walkerton et autres, mais c'est à l'échelle locale, c'est des gros investissements qu'il faut faire. Donc, les aspects évaluation. Pour travailler ça, on s'est doté d'équipes de soutien. On a un plan de communication. Le plan de communication, il est en train de s'élaborer. On vise à aller de partir de l'école, informer le grand public, informer les promoteurs, informer, en fait, toutes les couches de la société. Parce qu'au Québec, on vit dans le mythe que l'eau est illimitée. On la consomme sans égard à sa protection et à son maintien. On est entouré d'eau, puis on commence à parler qu'on commence peut-être à en manquer. C'est un peu odieux quand on sait qu'on a 3 % des réserves d'eau douce de la planète au Québec. Puis au moment où on se parle, il y a plusieurs centaines de municipalités qui n'ont plus d'eau dans leur aqueduc, soit qu'elle est polluée ou soit qu'elle est non satisfaisante à la consommation. Puis à Québec, pourtant on avait un super aqueduc, ça commence à être un questionnement important. Si l'eau du fleuve devient de plus en plus salée, puis on ne se dote pas d'outils pour la désaliniser, on perd 22 % du fleuve, et on sait que pendant l'été, la Montmorency et la Saint-Charles donnent le maximum, à tel point que la rivière Saint-Charles, en bas de la prise d'eau, est pratiquement sec. Donc, ce n'est pas un mythe là, qu'on est dans une certaine urgence de planification.
Donc, on est au bon moment pour faire ces choix-là. Donc, un plan de communication pour informer les gens qu'il faut s'intéresser à cette question de l'eau, à sa préservation. On est en train de monter des équipes de soutien pour soutenir les municipalités et appliquer éventuellement la réglementation puis à planifier ce territoire-là. On veut se doter d'un observatoire de l'eau, c'est-à-dire une équipe qui va regarder le suivi de toute cette question de l'eau, pas rien que sur la Saint-Charles, mais sur l'ensemble du territoire, aller faire des validations des puits d'eau potable privés pour voir si les gens consomment la bonne eau. Ça se fait ailleurs, on va le faire. Un plan de conservation des terres offrant des services écologiques. Tu sais, quand on demande aux promoteurs de faire des bassins de rétention puis quasiment de refaire des marais filtrants, on en a plein sur le territoire. Il faut les valoriser, ces milieux-là. Ils nous rendent des services environnementaux importants qu'il ne faut pas refaire à côté. Pour tout faire ça, ça prend des sous. On est en train aussi, on a donné déjà des mandats pour étudier comment se doter d'un fonds métropolitain pour financer les différentes actions et les suivis qu'il faut faire. On a regardé du côté ontarien, on n'a pas besoin d'aller loin. On voit que là-bas, ils ont mis en place des structures où l'eau paye l'eau. Ils se sont dit que l'eau est tellement une ressource essentielle au maintien et au développement d'une région qu'on ne peut pas faire de choix à la moitié là-dessus. Alors, ils se sont arrangés pour que les gens qui consomment de l'eau, finalement, financent à quelque part sa protection, son traitement, sa distribution et l'assainissement à l'autre bout. Ça se fait depuis longtemps aux États-Unis, ça se fait en Europe. Au Québec, on est dans le mythe qu'il n'y a pas de problème. On ouvre le robinet et il y a de l'eau. Et c'est quasiment gratuit. Mais c'est faux. C'est faux. Donc, il faut se doter d'un fonds métropolitain qui va, d'une part, chercher des sources de financement, mais aussi peut-être contrôler la demande en termes de besoin d'eau. Enfin, les mesures de mise en œuvre, bon, on sait qu'on est sous le développement d'un règlement de contrôle intérimaire. C'est un outil. On a procéder par cette façon-là. Évidemment, il va y avoir un règlement à plus long terme, mais il y a aussi le fameux plan d'action. En fait, le plan d'action, c'est l'ensemble de toutes les mesures et situations qu'on a analysées dans les analyses de risque, dans les analyses d'offres et la demande et de tous les outils qu'on peut développer. Donc, c'est un ensemble. Le plan, là, c'est tout ça qu'on est en train de mettre en œuvre. C'est un immense chantier. Et surtout, ce qu'on veut, c'est que, oui, on a un plan régional concerté. Et chaque municipalité aura ses devoirs dans ce plan-là, parce qu'évidemment, les problématiques sont différentes d'un endroit à l'autre. Depuis le 17 décembre dernier, il y a eu une résolution de révision du PMAD, le Plan métropolitain d'aménagement et développement. On s'est aperçu, même si le PMAD est récent, qu'il y a peut-être des orientations à revoir, parce que ça n'a pas été fait dans un souci de préservation des sources d'eau potable. Et quand on regarde le développement en regard de cette protection, on s'aperçoit que les règles doivent changer. Le contrôle intérimaire, on est en train d'élaborer ce règlement qui devrait être déposé le 10 mars prochain. Maître Bouchard pourra peut-être en dire un mot. Donc, il va y avoir un dépôt le 10 mars à la CMQ et il y aura une évaluation par le MAMO, les affaires municipales, pour une période de 60 jours avant qu'il soit rentré en vigueur. Dans le cadre de ce développement du contrôle intérimaire, il y a, par la résolution du Conseil de la CMQ, la formation d'un comité, d'une commission environnementale formée d'un ensemble d'élus qui est supportée par une équipe technique. L'équipe technique, c'est moi qui la coordonne avec l'appui des fonctionnaires des différentes villes et des apports des scientifiques qu'on va chercher au gré des besoins. Ça aurait été facile de donner un mandat d'une firme, mais l'idée, c'était de faire un transfert des connaissances vers les municipalités, vers les administrations, pour qu'ils puissent bien comprendre les enjeux en matière de développement. Donc, les livrables, on veut travailler sur l'offre et la demande, j'en ai parlé tantôt, donc l'étude sur la disponibilité en eau, actuelle et anticipée, puis on vise là, à regarder loin à 2065. Regardez évidemment la question du coin salin dans le fleuve. Et c'est essentiel, je vous le dis, on voit les changements climatiques à Ouranos, on modélise le climat depuis maintenant une quinzaine d'années. Et nos modèles nous annonçaient des choses un peu pessimistes, mais finalement, la réalité nous dépasse. Regardez, depuis 2 ans, l'année passée, on parlait des vortex polaires, puis cette année, ça va des records de chaleur, pas de neige et autres. On s'en va vers cette grande variabilité-là, il peut nous tomber n'importe quoi dans le futur, il faut s'y préparer. Vulnérabilité et risque, donc évidemment, il faut déterminer des zones de protection selon chacun des types de sources. Donc, c'est un travail minutieux qui se fait sur le territoire, puis il faut appliquer des mesures adaptées à chacune des situations.
Établissement de mesures d'atténuation, oui, il va y avoir un ensemble de solutions. Déjà, on regarde toute la question de raccordement des usines de Stoneham, Lac-de-Lage, raccorder des fosses septiques sur plusieurs territoires. On a un lourd passif à régler. Et je vous le dis tout de suite, ça va être assez coûteux. Il faut vous doter, vous les élus, d'outils pour prendre des décisions. On veut regarder l'aspect économique sur le développement régional. On sait que les municipalités ont besoin de développement pour se financer d'une certaine façon. Les seules sources de revenus de la plupart des municipalités de la Couronne, c'est le développement domiciliaire. Il y a très peu d'industries en périphérie et on sait que c'est un enjeu. Mais le problème, c'est que ces municipalités-là sont des milieux ressources pour l'eau. Plus ils vont se développer, plus on va altérer nos sources d'eau. Donc, il faut regarder cette question financière, cette question de fiscalité. Et on veut mettre à pied d'œuvre des économistes pour regarder l'avenir économique de ces municipalités-là en matière de développement. Donc, on parle de mesures d'écofiscalité. On voit que dans certaines régions de l'Amérique, il y a des municipalités comme New York, par exemple, ils ont carrément pris une entente avec un territoire au nord et financent toutes sortes de mesures à ce territoire-là pour que la ressource en eau soit préservée. Et l'eau de New York est d'une qualité limpide. Ils ont fait ces choix-là. Dans le fond, ils payent pour un non-développement d'un territoire, mais ils leur assurent quand même une pérennité à ce territoire. On voit qu'il y a plein d'exemples aux États-Unis et au Canada sur lesquels on peut s'appuyer. Un plan de gestion, évidemment, c'est l'ensemble des mesures qu'il faudra mettre en place, étalées dans le temps avec un financement. Donc, ça termine mon propos très rapidement. En fait, c'est l'ensemble des partenaires avec qui on travaille. On travaille, je dirais, avec la plupart des spécialistes disponibles dans la région de Québec puis au Québec. Avant de poursuivre, Madame la Présidente, voulez-vous qu'on libère un certain nombre de questions concernant nos deux présentations? C'est à vous de voir. Si vous pensez là, que la présentation de M. Bouchard, oui, je serais peut-être mieux de continuer. C'est bon. Alors, je laisse la parole à Maître Bouchard. Hein? Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Je voudrais juste faire une petite mise en contexte légal pour qu'on comprenne bien. Excusez-moi. D'accord. Alors, bonjour, Daniel Bouchard. Je suis procureur retenu par la communauté métropolitaine pour l'accompagner dans la rédaction du règlement de contrôle intérimaire. J'ai participé à l'expérience aussi du règlement de contrôle intérimaire de 2010. Je voudrais, juste comme mise en contexte, rappeler à tout le monde qu'il y a un contexte légal global qui influence ce qui se passe ici aujourd'hui. En 2010, là, l'intervention de la communauté métropolitaine sur le Québec, sur le territoire concret, par un règlement de contrôle intérimaire, c'est une première. Et ça va fallu développer un consensus sur l'ensemble du territoire. Puis, l'orientation qu'on a prise, c'est d'essayer d'encadrer le développement. On avait des études qui nous disaient de quelle façon il fallait l'encadrer, le développement. On a assis les normes du RCI, le règlement de contrôle intérimaire actuel, sur cette base-là. De nouvelles études. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Deux choses importantes. La première, il y a des nouvelles études qui nous disent, parfait, c'est pas encore suffisant, il faudrait resserrer à vis, parce qu'on remarque encore de la détérioration, puis si on n'agit pas rapidement, ça risque de s'accélérer. D'où la réflexion actuelle sur, qui accompagne d'autres réflexions puis qui indique à la communauté qu'il faut recommencer, il faut remettre tout ça sur le métier à tisser. Mais la plus importante, on a remplacé le règlement provincial en matière de protection des eaux. Alors, historiquement au Québec, on a toujours régi une seule chose, le captage des eaux souterraines. D'ailleurs, le règlement provincial adopté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement s'appelait « Règlement sur le captage des eaux souterraines ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité des prises d'eau dans des cours d'eau n'était pas régie par le règlement provincial. Ça se faisait sur la base de certes autorisations des fonctionnaires qui étudiaient la question, mais ce n'était pas pris en main de façon réglementaire. Première modification qui a été faite, on a remplacé ce règlement-là par le règlement actuel sur la protection des eaux. Et on a inséré une deuxième dynamique importante dans ce règlement-là qu'on ne mettait pas là auparavant, c'est les études de vulnérabilité des sources d'eau, incluant les prises d'eau existantes. Parce que la dynamique de la loi sur la qualité de l'environnement, c'est la suivante. Si tu as déjà une prise d'eau, tu n'as pas besoin de certificat d'autorisation parce que tu as le droit de continuer à l'exploiter sans certificat d'autorisation du ministère, donc sans normes provinciales encadrant la chose. Et si
Tu as déjà un certificat d'autorisation, mais qui est un vieux certificat d'autorisation établi selon des anciennes normes. Tu as le droit de le garder tel qu'il est là sans être obligé de refaire des études. Le nouveau règlement est venu mettre en place un processus où on oblige l'ensemble des municipalités à étudier toute leur prise d'eau potable, à faire des études de vulnérabilité pour refaire leur devoir pour s'assurer que l'eau potable au Québec est traitée correctement. Il y a donc provincialement une approche complètement nouvelle qui a un impact directement ici sur le territoire de la Ville de Québec qui a décidé de faire quoi? Elle a dit, on va prendre les devants. Plutôt que d'attendre en 2022, comme le règlement provincial le prévoit, nous, on va le faire tout de suite parce qu'on a une petite urgence. Donc, il faut comprendre qu'il y a un contexte global qui vient influencer passablement ce qui se passe ici. On n'est pas, on tombe pas de la cuisse de Jupiter, on est dans un milieu très concret, très pragmatique. Donc, ce qu'on m'a demandé de faire, moi, on m'a dit, quels sont nos devoirs, quels sont nos pouvoirs, puis quelles sont nos responsabilités? Fait que j'ai essayé de marcher ça de la manière suivante. Alors, il faut savoir que j'avais préparé ça pour le colloque qui s'était fait sur la protection de l'eau tenue par la communauté métropolitaine de Québec à l'automne. Ça n'avait pas pu être présenté à ce moment-là pour toutes sortes de motifs. On m'a demandé de le présenter dernièrement lors de l'adoption de la résolution contre l'intérimaire, puis on m'a demandé de revenir ce soir pour présenter quelle est la réflexion. Donc, pouvoir, je vous rappelle, là, devoir, pouvoir, responsabilité. C'est ça que j'essaie de regarder. Donc, les responsabilités. Parlons d'abord des devoirs. C'est toujours en matière d'eau, là. Si vous voulez établir une prise d'eau, ça vous prend une certaine autorisation du ministre lorsque vous voulez planter une prise d'eau puis un réseau d'aqueduc. Ça, c'est un devoir. Deuxième, vous devez appliquer tout règlement adopté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement lorsque le règlement en question le prévoit. Là, je vous ai écrit Q2R22, c'est un langage d'avocat, ça veut dire le règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées. Ça aussi, c'est un langage d'avocat, ça veut dire les fosses septiques. Okay, donc, le règlement sur les fosses septiques, c'est celui-là, puis les municipalités, les municipalités sont obligées de l'appliquer. Il faut savoir une chose. Ce règlement-là, il a été fait sur des bases scientifiques que tout le monde a oubliées. En principe, le champ d'épuration, là, c'est bon pour 10 à 15 ans. L'idée qu'il y avait derrière ceux qui ont conçu le règlement au départ, c'est que tu mets ton champ d'épuration, puis après 10 ou 15 ans, tu le prends, puis tu le déplaces. Ce qui fait que certains pays d'Europe, tu mets deux champs d'épuration en partant. Au bout de 10 ans, 10, 12 ans, tu le déplogues, puis tu vas le repluguer sur l'autre pendant que les sols vont se régénérer. Fait que la plupart des fosses septiques qui sont installées sur le territoire depuis 10 à 15 ans sont colmatées. Parce qu'on ne fait pas la job qu'on est supposé de faire, scientifiquement parlant, avec le champ d'épuration. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, obligation d'appliquer le règlement. Troisième obligation, fournir une eau de qualité répondant aux prescriptions du règlement sur la qualité de l'eau potable. Donc, la Ville de Québec, ça ne fournit pas de l'eau potable à ses citoyens, elle va se faire prendre, elle va se faire poursuivre, ils vont dire « devoir légal pas respecté », puis en plus, elle peut se faire poursuivre par le ministère. Bref, là, il y a un devoir, et c'est normal, il faut respecter la loi, il faut assurer de donner une eau qui soit potable. Quel est le devoir des élus? Hein? Parce que tout le temps, on regarde le devoir des municipalités, moi, ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine-là, puis on oublie toujours de parler du devoir des élus. Alors, je veux vous le dire, là, si les municipalités ont ces devoirs-là, bien, vous autres, les élus, vous avez le devoir de vous assurer que les municipalités respectent leurs devoirs. Ça coule de source. Pas sans jeu de mots. Les compétences discrétionnaires, maintenant. Là, on embarque. J'ai fini les devoirs en passant. Là, ça arrête vos devoirs. Maintenant, on va regarder les pouvoirs discrétionnaires. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez offrir des services d'aqueduc et d'égout. Vous n'avez pas d'obligation. Vous pouvez protéger les milieux humides. Vous n'avez pas d'obligation. Vous pouvez faire respecter vos propres règlements, notamment la protection des berges littorales et des plaines inondables. Tu sais, la bande de 15 mètres, pas aller construire en pleine inondable, pas s'embarquer dans un milieu humide, ces règles-là, vous en avez. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Vous pouvez en avoir. Puis quand vous en avez, vous n'êtes même pas obligé de faire respecter vos règlements. Vous savez ça? Aucune obligation. Vous pouvez décider de ne pas le faire. Quel est le sens moral qu'il y a derrière le fait d'avoir un règlement pour le faire respecter? Donc, prévoir des bandes riveraines assurant une meilleure protection. Vous avez le droit d'avoir... Exemple, le règlement provincial, il parle d'une bande riveraine de 10 à 15 mètres. La bande riveraine de 10 à 15 mètres, c'est une norme minimale. Vous pourriez prévoir 20, 25, 30, 35 mètres.
Vous avez, avoir une réglementation axée sur la sélection des eaux pluviales et des eaux d'égout, on a fait une référence à cette question-là, se doter d'outils d'aménagement du territoire performants pour prévenir les conflits d'usage, pas mettre une usine ou une carrière de sablière à côté d'une prise d'eau, par exemple, être créatif en la matière, par exemple, le règlement de contrôle intérimaire de la communauté métropolitaine de Québec, là, en passant, on a inventé une norme dedans. Dans le Q2 R22 dont j'ai parlé tantôt, le règlement, c'est faux sceptique, là. Il n'y a aucune norme de distance pour une prise d'eau potable dans un cours d'eau. Il y a des normes de distance pour une prise d'eau potable dans le sol, mais pas dans un cours d'eau. Fait que dans notre règlement de contrôle intérimaire, on en a inséré une, puis on l'a fait approuver par le ministre, puis elle s'applique sur notre territoire. On est la seule région au Québec où il y a une telle norme qui s'applique. C'est logique qu'on ait une prise d'eau potable dans un cours d'eau. Donc, on peut être créatif aussi dans un règlement. Planifier l'implantation du développement résidentiel en fonction de la disponibilité de la ressource en eau. Ça serait-tu intelligent de se demander, je vais-tu avoir assez d'eau pour le développement résidentiel avant d'autoriser le développement résidentiel? Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Quelle est la responsabilité des élus? Là, j'ai parlé des municipalités et responsabilités. Je termine toujours sur le même thème. Bien, si les municipalités ont ces pouvoirs-là, c'est d'abord les élus qui doivent se préoccuper. On le fait-tu ou on ne le fait pas? Ça exige que vous vous posiez des questions puis que vous preniez des décisions. Les responsabilités morales, maintenant. Je vais vous parler de responsabilités morales pour une raison. En 2009, rappelez-vous, M. Charest, premier ministre, il ne voulait pas avoir de commission Charbonneau. Il a décidé d'adopter une loi qu'on appelle la loi sur l'éthique et la déontologie dans le monde municipal. Plus tard, il va faire la commission Charbonneau, il pensait s'en sauver, il n'a pas pu s'en sauver. En tout cas, pour ce que ça a donné sur son question. Mais donc, la loi sur l'éthique et la déontologie dans le monde municipal, elle introduit une nouvelle réalité pour les élus municipaux, l'éthique. Ça, c'est la morale. Puis quand vous allez voir les normes d'éthique qu'on impose aux élus municipaux, je ne peux pas vous amener devant un tribunal parce que vous n'avez pas respecté l'éthique en passant. Je peux vous amener devant un tribunal parce que vous n'avez pas respecté la déontologie. Ça s'appelle la loi sur l'éthique et la déontologie. La déontologie, c'est des normes. Je peux vous poursuivre devant un tribunal si vous ne l'avez pas respecté. L'éthique, je ne peux pas vous poursuivre devant un tribunal. Vous êtes prêt avec votre conscience. Mais le législateur, il demande aux élus, faites preuve de dignité, faites preuve de transparence, faites preuve de bonne foi, ayez un sens moral. Ce que je prétends, ce que nous soutenons, nous, c'est que maintenant, dans le paramètre des élus municipaux, il y a la question de la responsabilité morale. Est-ce qu'on peut laisser se détériorer un milieu avec un risque par rapport à des prises d'eau potable? Chacun d'entre vous doit répondre à cette question-là. Mais quand on regarde l'ensemble des responsabilités que les municipalités ont et qu'on associe ça aux responsabilités morales qu'impose la loi sur l'éthique et la déontologie, je pense que la réponse aussi est évidente. Donc, est-ce qu'on ne doit pas reconnaître qu'on s'attend à ce que les municipalités s'assurent de la disponibilité à long terme de la ressource en eau, notamment en planifiant correctement le développement urbain sur son territoire et en participant à la protection de la qualité de l'eau? Est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à ce que les municipalités se préoccupent de la protection de la qualité de l'eau, non seulement en ce qui a trait à l'eau souterraine, mais également en ce qui a trait à l'eau superficielle? Ne peut-on s'attendre à ce que les élus municipaux s'assurent que la municipalité avec laquelle ils travaillent œuvre dans ce sens-là? En passant, il y a un article qui prévoit la chose. C'est l'article 52 de la loi sur les cités civiles, vous allez le lire. Dans l'article 52 de la loi sur les cités civiles, on dit que le maire de la municipalité a l'obligation de s'assurer que la municipalité respecte la loi, les règlements, etc. Alors, si le maire de la municipalité a cette responsabilité-là en vertu de la loi, moi, je prends pour acquis que les conseillers municipaux qui font équipe avec lui ont la même responsabilité. Il y a un devoir de s'assurer que les règles légales sont respectées pour les élus. On ne peut pas juste dire, c'est ma municipalité, ça ne me regarde pas, ça nous regarde personnellement. C'est tout ce que j'avais à dire, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, ceci met fin à votre présentation, ce fut fort instructif, je vous en remercie. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Et pour les membres du Conseil, comme à tous les comités plénier, je prendrai les noms à tour de rôle de ceux et celles qui souhaitent intervenir et poser des questions à nos invités ce soir. Vous, évidemment, pourrez poser une première question avec une sous-question, si jamais le besoin s'en fait sentir, et j'alternerai en tour de rôle. Et comme à l'habitude, je vous avise aussi que nous ne sommes pas en Conseil municipal, mais bien en comité plénier. Et par respect pour les gens qui nous ont fait cette présentation, je vous demanderai d'éviter les considérations politiques non reliées à la présentation. Donc, avant de prendre les noms des gens qui souhaitent intervenir, Monsieur le maire, vous souhaitez débuter?
Prenez votre nom. Je prends votre nom. Allez-y, monsieur le maire. Allez-y. J'ai déjà quelques noms en liste. Monsieur le maire, vous pouvez y aller. Madame de Longchamp-Mélanie, bon, c'est peut-être désagréable à discuter, mais je pense qu'il faut en parler, des faux sceptiques. Moi, je voudrais qu'il y a 5 000 faux sceptiques dans le bassin versant, c'est ça? 5 000 faux sceptiques. Moi, je fais toujours la bague, j'ai toujours, il y en a à l'époque, c'était des cuves de laveuse qui sont certaines depuis 50 ans, qui sont encore très bonnes, qui ne sont pas rouillées. Hein? Bon. J'ai eu un maire de l'Abitibi l'autre jour qui me racontait ça, qu'il y avait des citoyens qui lui expliquaient qu'il n'y a aucun problème, sa cuve était parfaite. Ça faisait des décennies. Je vous disais au lac Beauport qu'il s'était passé quelque chose puis qu'il est en train de se référer, c'est que vous avez une fosse septique dans une panne, vous avez un puits artésien, vous avez une fosse septique et un puits artésien. Veux pas, ça fait des dégâts descendants, hein? Moi, je voudrais qu'on explique là, les 5 000 fosses septiques dans le bassin versant. Quel est l'âge moyen de ces fosses septiques-là? Quel est, comment dire, parlez-moi de l'usure, parce qu'il faut en parler, il y en a 5 000, puis c'est immensément dangereux. Les effets sur le lac, ce serait ma première question. Je sais que c'est un peu dégoûtant, mais je veux que les gens comprennent. Là. 5 000 fosses septiques dans un bassin versant qui se ramassent, dont qui peuvent avoir des conséquences sur un réservoir d'eau comme le lac Saint-Charles, puis une prise d'eau, la rivière Saint-Charles s'en va jusqu'à la prise d'eau, ça doit être majeur. Alors, même si c'est désagréable, Mélanie, pourriez-vous nous en parler? OK. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de portrait exact de c'est quoi l'âge moyen des installations septiques. On a un bilan partiel. La communauté métropolitaine de Québec a fait, dans les années 2011, 12, 13, des caractérisations dans certains secteurs. Donc, on peut pas dire qu'on a un portrait puis qu'on sait que toutes les installations septiques sont soit conformes. On a encore un bilan partiel. Donc, la première des choses qu'on doit faire, c'est d'avoir un bilan complet pour pouvoir éventuellement dire, mais ce secteur-là, il est problématique. On sait que les installations septiques, parce qu'il y a encore des puisards, ce que vous parlez, là, il y en a encore sur le territoire des puisards. Il y a des secteurs qui sont encore comme ça à Sonam ou à Lac Beauport. Donc, c'est pas nécessairement tout réglé. Et puis, donc, il faut faire une première caractérisation de l'ensemble des 5 000, mais dites-vous, ces 5 000 terrains à analyser, c'est beaucoup de travail. Puis ensuite, bien, il va falloir voir est-ce qu'il y a des secteurs qu'on peut raccorder, est-ce qu'il y a des secteurs qu'on peut faire des petites installations communautaires parce que quand les terrains sont trop petits, il est impossible d'en faire un autre. Donc, il y a des gens chez eux présentement, il faut savoir, qui ont des toilettes à compost ou des installations septiques complètement fermées, c'est-à-dire qu'on toute l'eau s'en va dans une vidangée. Donc, à tous les mois, un camion va vidanger. Donc, il y a des problématiques aussi comme ça de durabilité. T'sais, personne ne veut vivre ça avec des toilettes quasiment chimiques ou à compost dans sa maison. Donc, à long terme, de faire voyager des camions aussi, c'est pas nécessairement une bonne solution. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire une caractérisation complète. Malheureusement, je peux pas vous répondre l'âge moyen. Je suis pas capable de vous dire. Puis, même s'ils étaient tous parfaits présentement, je le répète, c'est fait pour traiter les bactéries, les E. coli, et non pour le phosphore et l'azote. Certaines installations septiques sont là pour le phosphore, mais jamais pour l'azote. Donc, on va avec des installations tous conformes sur le territoire, on va continuer à avoir du phosphore et de l'azote. Et c'est un effet d'accumulation. Je vais revenir sur ce que Maître disait ici concernant la vie utile d'un champ d'épuration. On parle de 10, 12, 15 ans à peu près. Alors, dans le règlement de contrôle intérimaire en 2010, lorsqu'on a bloqué le développement puis on a émis une nouvelle norme, on a obligé les nouvelles constructions, les nouvelles installations, à prévoir un deuxième champ d'épuration. Comme les règles existent en Europe, c'est ce que vous avez dit, et pour faire en sorte que quand la vie utile d'un champ d'épuration existe, qu'on puisse changer le même matin. Mais quand je pense à tous ceux et celles qui habitent le bassin du lac Saint-Charles ou de la rivière Saint-Charles, j'ai pas de misère à croire que... On peut-tu penser que 70% des champs d'épuration ont passé l'âge, sont passés dû?
pense que je dis ça, là, puis je ne suis pas sûr, je me trompe beaucoup en disant que 3/4 des champs d'épuration, ces gens-là habitent dans le coin depuis plus que 10 ans ou 12 ans. Et donc, il n'est pas difficile de penser que 3/4 des champs d'épuration ne sont plus efficaces et que ça prendrait un deuxième champ sur le terrain. Ça a l'air de rien, là, mais là, on est dans le concret. Si tu penses que 3/4 des 5 000 champs d'épuration sont inefficaces, on a un maudit problème. Est-ce que je me trompe beaucoup si je pense ça, moi, là? Moi, j'ai pas de données statistiques, mais l'hypothèse que vous faites n'est pas farfelue. Il faudrait l'examiner. Est-ce que c'est la réalité? Mais c'est pas farfelu de supposer que... Mais j'ai pas la réponse. Je pourrais peut-être ajouter, c'est que, là, en regard des sols, c'est que les installations septiques, c'est essentiellement pour des résidences isolées, au départ, en prenant en compte que ça ne réglera pas tous ça ne dépolluera pas toute cette eau usée et que le milieu ambiant est capable d'en prendre. OK? Et quand on regarde cette réglementation-là, elle a des exigences en matière de sol. Vous mettez un champ d'épuration sur un sol sablonneux épais versus un sol argileux, ça ne donnera pas, mais pas en tout le même résultat. Et quand on regarde la nature de notre territoire, il y a très peu d'endroits où les sols sont aptes à recevoir ces choses-là, mais malgré tout, on en a fait. On en a fait, puis on les a même fait quasiment en banlieue. Les maisons sont souvent en flanc de montagne, sur des sols minces, sur des étagements, et vous donnez un petit peu de vous-même à votre voisin, il ne veut pas, parce que finalement, ça se transmet d'un puits à un champ d'épuration et à un autre. Et on l'observe, et souvent, sur ces sols-là, on voit que sur 10 ans, 15 ans, mais finalement, les puits commencent à être pollués. Donc, d'une part, l'installation, c'est fait pour des maisons sur des grands terrains boisés, et d'autre part, ça ne fait que, comme disait Mélanie, à filtrer les éléments bactériologiques, mais tout ce qui est phosphore, azote et autres éléments se rejette dans l'environnement. Et là, on voit, par les mesures qu'on voit, c'est qu'il y a un bruit de fond, on va l'appeler de même, un bruit de fond important, finalement. Il y a une accumulation de tous ces éléments dans l'environnement. Merci. Madame Doyle? Moi, j'aurais deux questions, un puis que deux volets, puis une qui va avoir rapport aux fosses septiques, mais je vais aller avec la première. Si je me rappelle bien, dans la première RCI de 2010, c'est une question que je vais vous poser au niveau d'un citoyen là, qui a... Dans ce cas-là, en 2010, certains citoyens, il y avait beaucoup de limitations par rapport à certains terrains, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas installer une piscine, un cabanon, une clôture. Et je me demande, est-ce qu'il va y avoir ces mêmes limitations-là dans le nouveau RCI, où ça va être un petit peu plus flexible pour ce qui est les bâtisses accessoires qu'on appelle? Ça, c'est ma première question. En tout cas, on verra, mais peut-être le garder... Ça ne serait pas respectueux de ma part de répondre ce qui va contenir le prochain RCI. C'est les élus qui vont en décider. Ce que je peux vous dire, c'est que la commande qui est faite pour l'instant, c'est d'être plus sévère. Oh. Okay. Mais je ne dis pas nécessairement pour le point que vous soulevez, de façon globale, être plus sévère. Okay. Puis ma deuxième question, c'est ça traite les fosses septiques et les champs d'épuration. Est-ce qu'une ville ou la CMQ, on a le pouvoir ou un moyen, je ne veux pas utiliser le mot forcé, mais exiger que les citoyens qui ont des installations sont plus conformes, sont plus aux normes ou à se conformer aux nouvelles normes dans un premier temps? Et si oui, parce que souvent c'est une question de finances, est-ce qu'il y a des programmes qui seraient disponibles pour les citoyens pour mettre leur fosse septique au champ d'épuration ou non? On a parlé tantôt de la possibilité de créer un fonds métropolitain. Okay. Les exemples qu'on va chercher à l'extérieur, on voit qu'il y a une aide à ce niveau-là. En fait, plus vous êtes proche d'une source d'eau potable, plus la subvention peut être élevée, plus vous éloignez de cette source, plus la subvention diminue. On voit qu'il y a des exemples, là, de bons exemples à aller chercher à ce niveau-là. C'est clair qu'il va falloir aider les citoyens dans certains cas, soit de les raccorder ou carrément de leur offrir une alternative. En complément, les îles, si vous cherchez. Oui, il faut quand même prendre conscience qu'on ne pourra pas, dans toutes les situations existantes, apporter des correctifs
super efficace. Je voudrais juste que, si vous me permettez, que tout le monde comprenne que les premières orientations gouvernementales émises par le gouvernement en 83 pour l'élaboration des schémas d'aménagement et des règlements d'urbanisme des municipalités, c'était des normes de lotissement. Ça tenait sur 4 pages. Et la norme principale, c'était un terrain de 4000 m² pour un terrain non desservi. Ça veut dire un terrain où il n'y a pas de réseau d'aqueduc et d'égout. Parce que la personne devait elle-même satisfaire à son alimentation en eau et au traitement des eaux usées qu'elle rejetait dans l'environnement. Donc, un terrain de 4000 m². Pourquoi 4000 m². Parce que les concepteurs de la norme considéraient que ça prenait 1000 mètres sur le 4000 mètres pour l'occupation de la maison, que ça prenait 1000 mètres pour le champ d'épuration, 1000 mètres préservés naturels pour un deuxième champ d'épuration, puis 1000 mètres pour l'occupation du terrain, entrée de voiture, cabanon, etc. Ça, ça s'est perdu dans la nuit des temps, ce qui fait que si vous allez regarder le territoire, vous allez vous rendre compte que les gens occupent leurs 4000 mètres en ayant une piscine là, un garage là, etc. Si vous arrivez pour vous leur dire de déplacer leur champ d'épuration, l'impact va être énorme. C'est le bâti déjà est très, c'est très difficile d'aller agir dessus. Merci. Monsieur Voyer? Juste une petite question. Bien, en fait, j'en ai deux, mais je vais commencer par la première. Quand on parle des puits d'eau potable, je vais être très positif, là, je parle du positif. Qu'est-ce qui peut me garantir, moi, si j'ai mon puits, qu'est-ce qui me garantit que les fosses septiques des voisins ne se ramassent pas dans mon eau? Il n'y en a pas. Il faut faire des tests régulièrement. Il n'y a pas de garantie. Sous question, allez-y, M. Boyer. Bon, puis un autre, Mme Delonchamp, en page 15, vous parliez de déversement d'hydrocarbures, d'un risque pour le lac Beauport. Lac Beauport, c'est mes voisins, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que vous avez vraiment passé vite dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? En fait, c'est que la seule endroit où il peut y avoir des bateaux à moteur dans le bassin versant, c'est au lac Beauport, puis il y a environ 80 bateaux à moteur qui circulent sur le lac Beauport. Donc, quand on met de l'essence dans notre bateau, il peut avoir des risques. Ça arrive, là, on peut en voir. Dernièrement, l'automne, je me suis promenée dans un port dans la région de Québec et j'en ai vu un très gros déversement, donc ça se peut. En complément là-dessus, M. le maire? Bien, je peux vous dire, j'essaie de me souvenir, c'est 2008 ou 2009. Là, je ne sais pas si les fonctionnaires... 2010. Il y a eu un accident sur le boulevard Talbot, à la hauteur de Stoneham. Il y a eu un déversement de combustible fossile. C'était de l'huile, si je ne m'abuse. La population de Québec ne le sait pas, mais on a été en situation de crise très rapidement parce que l'huile... était déversé dans des ruisseaux et s'en allait résolument et allègrement vers le lac Saint-Charles. Mm. Là, le problème, on était en hiver, puis il y avait de la glace par-dessus tous les cours d'eau. Et donc, on suivait le cheminement de l'huile. Et il n'y avait rien de toxique. C'est juste que l'eau sentait l'huile. Alors, on s'imaginait que si... et ça s'en allait vers le lac Saint-Charles, résolument vers la prise d'eau... Et s'il avait fallu... Et l'usine d'épuration ne pouvait pas enlever l'odeur. Alors, ultimement, si ça n'avait pas cessé, vous auriez pris votre douche, puis ça aurait senti l'huile. Alors, vous êtes certain que c'est l'apocalypse. Vous faites cuire vos légumes et ça sent l'huile. Alors, on a parti une opération d'urgence, OK? On a même contacté tous les embouteilleurs d'eau qu'on connaissait. On s'est parti un système de citernes. On avait même un problème avec un hôpital à Québec. Personne ne l'a su à Québec. Mais juste à cause du déversement d'huile dans le boulevard Talbot qui s'en est vers la prise d'eau, on a eu une opération d'urgence. C'est documenté. À un moment donné, je vais rendre ça public. C'est extraordinaire ce qu'on a dû faire. Extraordinaire. Juste parce qu'il y a un camion qui a renversé sur le boulevard Talbot puis qui a déversé de l'huile dans un ruisseau. Vous comprenez qu'on est sur le boulevard Talbot, puis c'est un ruisseau. Mais on suivait, là, puis à un moment donné, c'était compliqué parce qu'il y avait de la glace. Alors, quand je vais rendre public ce qu'on a fait comme travail de crise à ce moment-là, les gens vont peut-être comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'une goutte d'eau, une goutte d'huile dans un lac,
Rappelez-moi ce que ça donne éventuellement comme pollution. C'est 10 litres, je pense. C'est 10 litres d'eau tout de suite en partage. Une petite goutte d'huile, ça polluait pour 10 litres d'eau. Ouais. Merci. C'était complet, M. Boyer. Madame Guérette. Merci. Alors, effectivement, c'était fort instructif, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci beaucoup. Présentation vraiment intéressante. Moi, j'ai envie de vous dire d'entrée de jeu que ce qu'il y a à faire m'apparaît pratiquement herculéen. Il y a énormément de travail à faire de ce que j'ai pu comprendre. Beaucoup de partenaires à concerter avec des objectifs différents, des citoyens, des entrepreneurs, des promoteurs, des élus, des ministères, etc. Il y a des cadres légaux, des réglementaires à changer. Il y a des problématiques fiscales. On vient justement de signer un pacte fiscal. Puis il n'y a rien là-dedans qui permet aux municipalités de diversifier leurs sources de revenus quand c'est ce qu'ils demandent en priorité numéro un depuis les 15 dernières années. Fait que c'est un petit peu surprenant, mais c'est un autre dossier. Donc, ma question, c'est sûr que je me souviens à un moment donné d'une... J'écoutais une émission sur l'environnement, je ne sais pas quoi, puis c'était en rapport avec le réchauffement climatique ou une question environnementale, puis on posait la question, est-ce que c'est possible? Puis la personne a répondu, oui, oui, c'est possible. C'est comme ramasser un piano qui tombe d'un 10e étage, c'est possible. Mais qu'est-ce que ça va prendre comme moyen? Qu'est-ce que ça va prendre comme argent? Est-ce qu'on va vraiment réussir? Fait que ma question, est-ce que c'est possible? Tout à l'heure, quelqu'un parlait du temps que ça va prendre. Vous avez répondu, on ne peut pas savoir combien de temps. On peut-tu avoir quand même une idée? Je veux dire, il faut, nous, comme élus, qu'on sache combien de temps, de façon grossière au moins, puis combien d'argent aussi ça va prendre. Je regardais tout à l'heure la définition, là, peut-être qu'on pourrait la regarder encore à la fin, que nous, comme municipalité, comme élus, on a la responsabilité de nous assurer de la disponibilité à long terme en eau. Je sais pas, là, j'ai pas plus le temps de tout noter, notamment en planifiant l'aménagement du territoire. Je pense qu'on a la responsabilité de s'assurer de la disponibilité à long terme en eau, puis aussi au meilleur coût possible pour nos contribuables. Donc, tantôt aussi, vous parliez du plan B. Le seul plan B, ça a l'air d'être le fleuve. Est-ce que le fleuve est vraiment le seul plan B? Est-ce que la rivière Jacques-Cartier, par exemple, pourrait pas être un plan B? Je pose la question. Je peux répondre à ça. Il y a quelques années, en 2002-2010, il y a eu des étiages sévères, des sécheresses importantes sur le lac Saint-Charles. Et la Ville de Québec, par décret, a pu aller prélever 10 % du débit d'eau de la rivière Jacques-Cartier. Finalement, ça servait qu'à remplir le réservoir souterrain de la rivière Nelson, ça ne se rendait même pas à la rivière. Il faut savoir que la Jacques-Cartier, la Saint-Charles et la Montmorency, c'est des rivières qui ont à peu près le même régime hydrologique. C'est des rivières qui répondent très rapidement aux crues dans le parc des Laurentides et elles s'abaissent très rapidement. Et souvent, c'est comme si on sont à proximité une de l'autre. D'aller chercher la Jacques-Cartier au moment où la Saint-Charles est pauvre, on va prélever beaucoup trop d'eau parce que la Jacques-Cartier alimente aussi des communautés en aval. C'est une rivière à saumon. Fait que, on ne peut pas déshabiller un pour habiller l'autre. La seule façon, ça serait de recréer un réservoir. On l'a regardé, cette question-là. Ça avait été regardé à l'autre bout du parc de la Laurentide suite aux événements du Saguenay en 96-97. On voulait faire un autre réservoir pour contrer des inondations Hitler. Et j'étais au cœur de cet événement-là. Écoutez, pour justifier ce réservoir-là, il fallait faire une centrale hydroélectrique et surélever le barrage. Et ça, c'était pour retenir de l'eau. Mais le problème, c'est quand on fait des réservoirs artificiels, on crée des problématiques environnementales du type mercure. C'est pas terrible pour l'eau potable. Donc, ça nous amène à une querelle de problématiques qui fait que c'est des projets gigantesques. Bon, la désalinisation, là, je vous dis, ça commence à être très populaire en Europe, évidemment, des pays très, très chauds, en Californie. Au Québec, on a des technologies qui se développent. Est-ce que ça va peut-être devenir plus rentable? Parce qu'on a de l'énergie, nous, peut-être à meilleur coût qu'ailleurs. Mais ce que ça veut dire, c'est que l'eau va finir par coûter très cher, même à Québec. C'est ça que ça veut dire. Donc, le plan B, on ne veut pas trop le regarder parce qu'on a peut-être une solution encore. Il y a peut-être des moyens à mettre en œuvre pour essayer de sauvegarder ce qu'on a déjà, de les protéger. Parce que dites-vous bien, si on laissait aller le lac Saint-Charles, le lac Beauport, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir des étangs.
très rempli de végétaux, qui va faire que les gens vont perdre la valeur de la propriété autour. D'avoir une propriété autour d'un lac à moitié mort, je peux vous dire que ça n'a pas une grande valeur. Donc, on a ce devoir aussi de préserver cet environnement-là pour les gens qui y vivent, aussi pour ceux qui peuvent en bénéficier, faire des pratiques de loisirs et autres. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix de trouver des solutions à notre problématique de développement pour assurer une amélioration de nos plans d'eau et nos sources d'eau. Ça m'apparaît le plan A. Mais il faut regarder aussi peut-être des plans B pour des événements plus extrêmes. En complément sur le sujet, M. le maire? Bien, pour répondre à la collègue, ça va coûter très cher. Des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Bon, on a du travail à faire, nous autres, sur le territoire de la Ville de Québec, mais on paye avec notre argent. Mais le problème aussi, c'est que aller connecter ce qui doit être connecté à Stoneham et à Lac-de-Lage, le problème qu'on a éventuellement, c'est que ça existe. Pour protéger notre eau, il faudrait peut-être payer nous-mêmes pour aller connecter ce qui a connecté à Stoneham et à Lac-de-Lage. Exemple. Voyez-vous le problème qu'on a là? Ça voudra dire qu'il faudra peut-être prendre la décision nous-mêmes d'aller connecter Stoneham et Lac-de-Lage. Ben donc, comment on demande à Stoneham et Lac-de-Lage de se connecter parce qu'il pollue? C'est un problème, ça, là. On a un problème politique, là. Si on dit à Stoneham et Lac-de-Lage, vous devez connecter, vous polluez le lac. Ils ne sont pas capables de payer. Si on veut préserver notre eau parce que c'est nous autres qui la boit, il va falloir peut-être décider de prendre notre argent pour aller connecter Stoneham et Lac-de-Lage. Voyez-vous le problème politique qui s'en vient, là? Puis là, excusez-moi, mais première évaluation, on passe 100 millions facilement, là. C'est ça, la vérité aussi. On passe 100 millions. Puis c'est pas difficile dans ces cas-là. Le problème, c'est que le territoire est grand. Alors, la vérité, c'est ça, ça va coûter très cher. Puis quand on parle d'un fonds métropolitain, le fonds métropolitain, honnêtement, je me demande qui va pouvoir mettre de l'argent dedans. Parce que les municipalités au nord, dans Jean-Cartier, n'ont pas les moyens de mettre de l'argent dedans. Fait que, en tout cas, pas beaucoup. Alors, le problème, c'est que peut-être qu'il va falloir qu'on décide nous-mêmes, la Ville de Québec, pour payer, pour aller connecter ce qui doit être connecté sur le territoire des voisins, parce qu'ils polluent le lac. Ça devient complexe, mais peut-être qu'on sera obligé de le faire. C'est assez spécial. Je vais vous dire, c'est très spécial. Aviez-vous une sous-question, Mme Guérette? Oui, j'ai une question complémentaire. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire, si on allait vers un plan B, mettons, ça ne semble pas la rivière Jacques-Cartier, le plan B, ça a l'air d'être le fleuve. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire de rien faire pour l'environnement. Puis, je veux dire, la question de la valeur des propriétés, puis tout ça, même le lac Clément, puis à un moment donné, si on s'embarque là-dedans, bien, il faut regarder pas juste le lac de l'Age, là. Puis, si cet enjeu-là fait que tout le monde s'assoit ensemble pour travailler, pour améliorer les choses, je pense que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, nous, comme ville, je veux dire, c'est sûr que traiter de l'eau d'un lac puis traiter de l'eau d'un fleuve, on a comme deux technologies, là. Je veux dire, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, nous, comme ville, à faire un choix, là, à une place, puis consolider cet endroit-là? Je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut qu'on regarde les différentes possibilités, puis qu'on évalue comment ça va nous coûter à court terme, puis à long terme. Bon, je pose la question. Je pense qu'on n'a pas à rire de la question que je suis en train de poser. Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose... pour Québec, qui devrait peut-être être regardé, de choisir le fleuve, par exemple, pour tous ses citoyens, puis de consolider nos installations, nous, là. Je pose la question. En matière de gestion de risque, je vous dirais, plus on a des sources diversifiées, plus c'est fiable. Parce que si vous avez une source unique, puis arrive un événement technologique, par exemple, là, vous perdez l'eau complètement. Donc, plus vous allez avoir des sources diversifiées, et surtout Québec, depuis les événements de sécheresse, il y a eu des raccordements entre les réseaux. Ce qui fait que quand il en manque une place, on peut la distribuer en la prélevant à un autre endroit. Et ça, c'est assez fantastique là, comme interconnexion. Donc, je ne crois pas qu'on doit privilégier une source par rapport à l'autre. Je pense qu'il faut, au contraire, consolider les différentes sources qu'on a et peut-être même préserver des sources potentielles. Je pense qu'il y a des aquifères, il y a des réservoirs souterrains des endroits qui mériteraient d'être protégés pour justement pallier à des événements. Moi, je pense qu'il faut regarder l'ensemble de ces choses-là, mais et surtout, il va falloir penser à économiser.
Il va falloir commencer à se doter d'une structure, d'une stratégie pour essayer de consommer de l'eau à bon escient, de peut-être de servir des eaux de pluie pour des usages qu'ils méritent, mais notre eau potable, il y a un coût à ça, à cette eau-là. Rapidement, complément, M. le maire. Juste techniquement, la pire affaire à faire, c'est d'avoir juste une source. Tu es vulnérable. Alors, c'est de multiplier les sources puis de boucler les sources. On l'a fait depuis 8 ans. On a mis 8 millions pour boucler les sources. C'est comme moi, j'étais sur le conseil d'Hydro, puis on disait il faut boucler les réseaux. Alors, s'il y en a un qui saute, tu peux t'alimenter à l'autre. C'est la même affaire pour l'eau. Il faut avoir plusieurs sources. Avoir juste une source, c'est la pire des situations. Plusieurs sources, mais il faut boucler. Actuellement, à Québec, on est bouclé. Mais est-ce qu'il faut... Mais économiser. Mais est-ce qu'il faut aussi savoir... C'est que le lac Saint-Charles est à 150 mètres, pas 500, là, 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, l'eau descend à gravité. On n'a pas de station de pompage. Donc, ça va coûter énormément de sous si on prend le fleuve puis on le remonte à lac Saint-Charles. Pensez au nombre de stations puis l'électricité que ça va coûter. Je comprends qu'elle ne coûte rien au Québec, là, mais il va falloir monter. La seule place à Québec qui a une station de pompage, c'est le complexe G. Mais sinon, c'est tout à gravité. Là. Merci. Madame Lemieux? Oui, merci pour la présentation. Vraiment, moi, c'est la deuxième fois que je la vois, puis j'ai trouvé ça, on en apprend même d'une fois à l'autre, là. C'est très, très intéressant. On parlait tout à l'heure de connecter ce qui existe déjà. On parle des développements actuels. On a vu les images de développement qui se sont faites encore récemment dans la couronne nord qui nous interpellent beaucoup. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ce soir qu'il faudrait stopper tout le développement dans la couronne nord pour protéger les sources d'eau potable de la ville de Québec? À qui de droit? À qui? Écoutez, le travail qu'on fait actuellement, c'est qu'on fait une analyse minutieuse sur le terrain pour dire qu'il y a des endroits, là, effectivement, le terrain était impropre à la construction. Il exige tellement de terrassement, de transfert de matériaux, de sable pour pouvoir établir. Je pense que ça, c'est pas une bonne approche. Il y a peut-être des consolidations qui peuvent se faire à certains endroits, peut-être encore. Quand c'est raccordé, notamment. Quand c'est raccordé. Maître Bouchard disait, oui, il y a une volonté d'être peut-être un peu plus sévère. C'est un peu le rôle d'un contrôle intérimaire, c'est de se donner un temps d'arrêt pour réfléchir à notre développement, regarder, voir venir aussi les choses. Donc, c'est sûr que le règlement va peut-être être un peu restrictif, peut-être a priori, peut-être qu'on va pouvoir l'alléger sur une meilleure étude, le temps de le faire. Parce que là, on fait en 90 jours ce qu'on aurait peut-être dû faire en 2 ans, là, je vous le dis, là, c'est ça un peu le drame du RCI. Mais déjà, par les travaux qu'on mène, on voit qu'avec des nouvelles pratiques, des meilleurs encadrements de certaines choses, on peut peut-être encore consolider à certains endroits. Mais le RCI, là, je ne peux pas vous dévoiler les choses, on est en train de l'élaborer avec les différentes municipalités. Et c'est clair que c'est un enjeu, c'est clair. Une autre question, Mme Lemieux? Peut-être sur les 15 projets qu'on a annoncés là, qui ne pourraient pas aller de l'avant sur le territoire, on s'est fait poser la question, si on reprend le contrôle du lac Saint-Charles, est-ce que ça sera possible d'aller de l'avant avec ces projets-là éventuellement ou si c'est quelque chose qu'il faut oublier? Le lac Saint-Charles, là, il n'est pas en bon état. Et je pense que la position qu'on a eue quand on a regardé les différents projets, c'était de dire, pour l'instant, on ne devra plus y en mettre tant qu'on n'aura pas déjà amélioré la situation. Il n'est plus capable d'en prendre autour du lac Saint-Charles parce que les sols sont impropres à recevoir des installations septiques d'une part. D'autre part, les terrains sont trop petits. Et d'autre part, c'est qu'il faut penser, c'est pas que les installations esthétiques, c'est les rues, c'est les pelouses, c'est le déboisement. Je reprends mon idée de la goutte d'eau. Quand elle tombe sur une pelouse à 300 mètres du lac, elle tombe dans un égout pluvial, c'est tout de suite dans le lac. Puis cette goutte d'eau est chaude. Donc, c'est plus rien que la bande riveraine. C'est plus avec le riverain là, qu'on regarde. C'est tout le périmètre de ce lac-là qui dessert directement, qui alimente le lac. Donc, nous, on se dit, pour les secteurs très limitrophes au lac, pour l'instant, on aurait tendance à dire qu'on serait assez restrictif. Mais dès qu'on sort du bassin du lac, où les sols le permettent, où il y a des raccordements, il pourrait y avoir des allègements. Je ne vous dévoile pas ce que c'est la RCI, là, mais je veux dire qu'on essaie d'être le plus minutieux possible. En complément, M. Blanchard, allez-y. Ce qui va être décidé, ce que les élus vont décider d'insérer dans le RCI, vous en ferez partie,
puis il y aura une décision qui sera prise. Mais une chose est sûre, si on autorise la construction, la réalisation de projets, nécessairement peut se survenir des dérogations, des non-respects, des contraventions. Plus tu autorises, plus il faut que tu sois très efficace dans la surveillance du respect des normes. Ça te prend une armée d'inspecteurs, des constats d'infraction, des poursuites devant les tribunaux, parce que, je m'excuse de le dire, je ne veux pas choquer personne, mais là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis chaque citoyen pris individuellement sur sa propriété n'est pas toujours tout à fait rigoureux quant au respect des normes réglementaires. Donc, quand tu es dans un milieu à risque, délicat, et que tu fais le choix d'autoriser, bien, tu es à risque. Merci. Monsieur Légaré. Merci, Madame la Présidente. Bon, merci beaucoup d'être là. Vous avez parlé d'encadrer le développement. Vous avez parlé du non-développement du territoire. Tu sais, des plantations autour du lac. Tu sais, économiser de l'eau, puis tout ça, c'est clair que tout le monde est d'accord avec ça. Votons-le, allons de l'avant, il n'y a pas de problème. Moi, je me questionne beaucoup sur les véritables cibles. Okay? Tantôt, vous avez donné les conséquences de la détérioration du lac Saint-Charles. Les sels de voirie, les sablières, les coupes de forêt, les centres de ski, les golfs, les usines, les fosses septiques, la neige aux abords du lac Nelson, les cimetières de voitures, le développement en montagne, les chantiers. Je vais vous dire une chose, tantôt vous disiez peut-être un peu restrictif, là. Il va falloir s'attaquer aux véritables cibles. Je comprends de faire de la plantation autour du lac Saint-Charles, là. Je comprends ça, là. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais si une goutte d'huile pollue 10 litres d'eau dans le bassin versant, la plantation autour du lac Saint-Charles, c'est une chose, là, mais il va falloir être restrictif sur les cimetières de taux, il va falloir être restrictif sur les sablières. Je vais vous dire une chose, là, hey, c'est pas rien, là. On s'attaque à quelque chose d'assez gros, à mon avis. Puis oui, go, allons de l'avant, là, il faut le faire, on n'a pas le choix de le faire, il faut le faire. Mais tu sais, entre encadrer le développement, qui oui, go, mais là, avec tous les polluants qu'on a dans le bassin, tu sais, les cimetières d'auto, qu'on fait quoi avec ça, là? Les fosses septiques, là, c'est ça le véritable problème. Encadrer le développement, oui, mais le véritable problème, là, c'est les sels de voirie. On encadre quoi? Comment ça, les sels de voirie, là? On encadre comment ça, les fosses septiques? C'est pas simple. Alors, je ne suis pas négatif, là. Je ne suis aucunement négatif, mais on dirait que je vois ça comme un peu... un peu là. T'sais. Puis moi, je suis un élu, puis je vais avoir à prendre des décisions. Puis encadrer le développement, c'est une chose, mais les cimetières d'auto, c'est une autre chose aussi. T'sais. Puis il va falloir être pas un peu restrictif. Il va falloir aboutir d'un règlement extrêmement... Si on veut améliorer, si on est sérieux, on veut améliorer le lac, là, de ce que je comprends, les sels, puis les cimetières, puis tout ça, il va falloir s'attaquer à ça. Là. Ben oui, reboisons le lac, là, c'est sûr. C'est facile faire ça, reboiser un lac. Là. Mais est-ce que c'est la véritable cible, est-ce que c'est ça? Ou c'est plutôt d'aller voir le ministère et dire sur ton autoroute, là, du sel, c'est terminé. Tu sais, un peu restrictif, pas sûr qu'on va arriver à quelque chose avec ça. Là, en fait, c'est pas une question, c'est une affirmation. Je sais pas. Je vous donne mes pensées. Là, je vais vous répondre avec le slogan de la communauté métropolitaine, là, agir maintenant ensemble. C'est tout le monde qui doit agir. Ben oui. Ça fait 16 ans que je fais le travail, puis je le répète. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes tous réunis, puis c'est la première fois que je suis ici. Donc, c'est déjà un bon boulot. On est rendu ici, puis on en parle, puis vous êtes sensibilisés. Assurément. Donc, si les élus sont sensibilisés, puis vous êtes les décideurs, mais à ce moment-ci, on est heureux, là. T'sais, dans le sens qu'il y a déjà un pas de fait. Maintenant, il faut que ça continue, que tout le monde travaille ensemble, puis qu'il n'y ait personne qui chicane. Ça, c'est le principal but, là. On n'aura pas de chicane ici, assurément. Mais la seule chose, le seul message que j'aimerais lancer, c'est que, avec tous les polluants que vous nous avez montrés tantôt, oui. Les cimetières, tout ça, là, OK? Mm. Il faut vraiment s'attaquer aux véritables cibles qui sont eux autres. Oui. Et il ne faut pas aboutir de rien, sincèrement. T'sais, parce que si les véritables polluants sont là,
Bien, on va devoir s'attaquer à ça, là. Oui, replanter. Oui. Mais attaquons-nous au véritable problème, parce que c'est ça que vous nous avez dit tantôt, là. Noir sur blanc. Tout le monde fait partie de la solution. Exact. Faut pas penser que c'est plus les riverains que le cimetière de voiture, que les golfs. Que... Faut pas attaquer personne. Faut que tout le monde travaille ensemble. Merci, M. Chouari. Bien, merci de votre présentation. Les questions que j'avais ont été effleurées par plusieurs élus, mais j'aimerais quand même revenir sur des éléments de votre présentation, Mme Deslongchamps. Puis mon collègue, M. Légaré, vous a parlé entre autres du cimetière d'Auto, mais vous ne nous avez pas dit quoi faire avec le cimetière d'Auto. On a parlé tantôt des installations septiques non conformes. On a parlé tantôt d'installations septiques qui datent de plus de 15 ans. Il y en a 5000 sur le territoire qui risquent d'être problématiques. Il y en a peut-être des récentes. On en construit peut-être encore, on installe encore peut-être des installations septiques qui seront éventuellement non conformes, mais qui sont sur les espaces du bassin, des bassins versants. Il y en a sur le territoire de la ville de Québec, Lac de l'Ange, Tonnam-Tewksbury, Lac Beauport. Le problème est grand. Il y a les deux stations de traitement des eaux usées. Alors, on parle de Stoneham, Lac de l'Age. Le problème, il est partout. Le problème est aussi sur le territoire de la Ville de Québec. La Ville de Québec, comme l'a dit M. le maire, va être exemplaire. Quelles sont les choses que la Ville de Québec peut faire sur son territoire? Je suis certain que vous avez aussi des idées sur ce que les villes de la Couronne-Nord peuvent faire également rapidement. Le règlement de contrôle intérimaire va venir ralentir le développement, va venir arrêter ou ralentir la détérioration du lac, mais il y a des choses qui sont existantes qui vont probablement contribuer à ce que le lac continue à se détériorer. Le bassin versant va continuer de subir les impacts de la pollution. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, rapidement? Quels sont les gestes principaux que vous suggérez pour renverser la tendance? Parce qu'on ne vise pas juste à ralentir et arrêter. Il faut renverser la tendance, si j'ai bien compris votre présentation. En fait, la littérature, quand on a fait beaucoup de revues littérature les dernières années, il ne faut pas se le cacher, puis nous-mêmes, on se pose des questions, puis quand on écrit des rapports, à la fin, on met toujours des recommandations, mais beaucoup de choses vont dans le sens de les eaux usées. C'est nous, en tant qu'humains, qui créons beaucoup le problème au niveau des eaux usées. Donc, c'est une des problématiques, la première, je dirais, à régler présentement, là, c'est de trouver les moyens pour assainir notre eau. Puis, si on réussit au niveau des eaux usées, ce qui va coûter très cher, là, on le sait, là. Donc, si on réussit avec ça, entre autres, je vous ai nommé à la fin de ma présentation des exemples, c'est beaucoup là qui ont travaillé. On n'a pas d'agriculture sur notre territoire unique, il y en avait, nous, on n'en a pas. Donc, il y en a un peu, là, mais c'est vraiment pas, c'est pas significatif. Donc, il faut vraiment travailler sur les eaux usées. Puis l'autre problématique qu'on a, puis que je vous ai mis le graphique du sel, là, de voirie qui augmente, là, bien, on a eu le cas de Flint dernièrement aux États-Unis. Donc, on ne veut pas se rendre à des problématiques de salinité dans l'eau parce que ça crée plein de problèmes. Je ne l'ai pas dit, là, mais ça, c'est un agresseur pour les cyanobactéries. Donc, si on amène du sel, les cyanobactéries se défendent en envoyant des toxines. Donc, on ne veut pas de toxines, on ne veut pas ça. Donc, il ne faut pas ajouter de sel. Puis on a fait des projections entre... C'est des modèles prédictifs, là, c'est des modèles. Là, on ne peut pas dire que c'est à 100%, mais on a fait rouler des modèles pour voir dans combien d'années le lac Saint-Charles va être du même niveau que le lac Clément. Puis c'est pas à très long terme. On parle de dizaines d'années. Donc, il faut pas laisser... Il faut prendre le problème au sérieux, il faut agir. Puis comme je vous dis, il y a le sel de voirie. Puis aujourd'hui, j'ai écrit à plusieurs partenaires, justement, pour qu'on convoque une rencontre, puis que tout le monde se parle. C'est tout le monde qui doit agir, c'est toutes les municipalités, le ministère, etc. Puis pour ce qui est des eaux usées, bien, c'est là qu'il va comme... Il va falloir que les gens investissent. Autant les municipalités que les propriétaires privés vont devoir investir, mais... Tantôt, on parlait de champs d'épuration. Ça coûte cher de refaire un champ d'épuration. Puis à chaque fois qu'on doit en faire, à un moment donné, tu sais, est-ce qu'on se dit sur les 70 années que je vais, ou les 50 années que je vais vivre dans ma maison, là, si je vis 50 ans dans cette maison-là, si j'ai 3 champs d'épuration à refaire, là, ça fait combien d'argent? Est-ce que je suis pas mieux de payer une fois pour toutes pour avoir l'égout en avant de chez moi, puis que c'est terminé? C'est ça aussi, là, le développement durable, c'est de penser à long terme, pas seulement à court terme. Merci. Avez-vous une autre question, M. Chouari?
Ah, pardon. Allez-y, M. Bouchard. Je voudrais juste... Vous avez touché... c'est le cœur du problème, ce que vous avez soulevé. Puis vous complétez. C'est pas pour rien que ce qui vous a été présenté, c'est une intervention réglementaire accompagnée d'un plan d'action. Le règlement, là, il réglera pas tous les problèmes, c'est évident. Ça prend un plan d'action. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le plan d'action? Je pense que ce serait maladroit de commencer à en faire la liste aujourd'hui, d'accord? Ne serait-ce que pour ameuter, faire peur inutilement peut-être à des personnes, mais des moyens légaux et administratifs pour régler des situations du passé, il y en a. Mais je ne pourrais pas régler le problème des carrières, ils ont des droits acquis. Alors, c'est autrement que je vais régler ça. Ce n'est pas par un règlement. Les dépotoirs, les cimetières de voitures, ils ont des droits acquis. Ce n'est pas en les réglementant que je vais régler la patente. Puis je n'enlèverai pas les salles de voirie parce que je vais le mettre dans mon règlement, c'est le ministère des Transports. Fait qu'il faut que j'y parle, au ministère des Transports. Puis il faut que je prévoie de travailler avec lui. Ça fait partie d'un plan d'action. La montagne est grosse. Ce que le règlement va venir faire, c'est une seule chose. Arrêter d'en mettre sa pile. C'est ça qu'on va faire avec ça. Mais le reste, on ne réglera pas le passif. C'est le plan d'action que vous allez, tout le monde ensemble, discuter. Et s'il vous plaît, d'abord, les portes fermées, pour être capable d'identifier des solutions sans créer une psychose inutile peut-être dans la population. Puis une fois qu'on a ciblé, on intervient. Mais oui, c'est gros, mais ça se fait. Il y a des villes qui l'ont fait. Merci. En complément, M. le maire. Ben, la question est pertinente. Bon, sur le passé, je voudrais bien, moi, vider, il y a 7 cimetières d'auto dans le bassin versant. Imaginez-vous des cimetières d'auto qui ont commencé, qui ont ouvert il y a 30-40 ans. Je pense que les panneaux à l'huile n'étaient pas toutes vidées. Hein? Juste par exemple. Alors, idéal, ce serait de les éliminer, de vider les cimetières d'auto. Mais imaginez-vous dans quel état est le sol. D'autres, on décontamine en ville. Là. On sait comment ça coûte cher. Je n'ai même pas le temps pour y penser. On parle de dizaines. Et je pense que M. Chouari, vous connaissez l'affaire. C'est épouvantable. Alors, bon. Alors, moi, je reviens à ce que Mélanie disait, c'est les eaux usées. Je pense que c'est vraiment ces eaux usées. Mais tu sais, moi, j'ai appris d'un citoyen, d'un promoteur de Stoneham, lors de l'Assemblée publique à CMQ, qui venait d'avoir un permis, encore avec des faux sceptiques, en 2005. Je suis désolé pour le maire qui est ici, là, mais il est venu dire au micro, le promoteur, qui venait d'avoir un permis, puis s'il était d'avoir un autre permis dans l'autre rue, puis c'était encore, ça fonctionne encore aux faux sceptiques en 2005. Tu sais, maintenant, il faut prendre des décisions. Moi, je prends un exemple. On a 5 terrains de golf. Les propriétaires, les golfeurs ne savent peut-être pas, puis peut-être veulent l'expliquer, mais tout ce qui est utilisé pour faire en sorte qu'il y ait des beaux greens, on paye quelque part. Quand ça lave, cette affaire-là, là, quand il y a inondé, puis ça nettoie, là, où ça s'en va, ça, tu sais. Puis moi, je veux juste dire en finissant que le gouvernement, dans l'année 2015, a imposé à toutes les municipalités dans 7 ans, 2022, comme vous le disiez, de déposer un rapport sur la protection, sur l'état des sources d'eau au Québec. Ce qui va sortir de là, ça va être un monstre incroyable. Parce qu'à Québec, dans le bassin de la rivière Saint-Charles, il n'y a quasiment pas d'activité agricole à part à les dindes à Valcartier. Ce n'est pas une région industrielle. On est une capitale où, pendant toute notre vie jusqu'à tout récemment, l'industrie première, c'était la bureaucratie. Alors, imaginez-vous de quoi on parle actuellement. On est très inquiets. On est à Québec, dans un pays de lacs et de rivières, comme disait Vigneault, puis on n'a pas d'agriculteurs, puis on n'est pas une région industrielle. Imaginez-vous le reste du Québec, le monstre qui va sortir en 2022 de ça. Moi, je vais vous dire une affaire, ça ne sera pas beau. Je suis content qu'on passe le premier, puis qu'on trouve des solutions avant les autres, puis qu'on fasse le travail maintenant. Parce que, tu sais, les pentes de ski, on me dit qu'ils servent de lurée pour faire des slopes, par exemple. Bien, de lurée, à un moment donné, ça fond. Ça s'en va quelque part, puis toutes les fertilisants d'un 18 trous d'un club de golf, ça s'en va quelque part, rien ne se perd, ne se crée.
Alors, c'est peut-être là, il va falloir qu'on demande aux gens de changer leur habitude, mais je reviens pour répondre à la question. Je pense que Mélanie, M. Soirier a répondu à la question. Là, ce qui urge, ce sont les eaux usées, la merde. C'est assez simple, il va falloir qu'on s'occupe de la merde. Il va falloir appeler un chat, il va falloir qu'on récupère la merde puis qu'on s'organise pour pas qu'elle aille dans le lac ou dans la rivière. Excusez d'être cru, mais je pense que ça doit ressembler à ça. Hein? Aviez-vous une seconde question, M. Soirier? Ça va aller? Madame Trudel. Merci à vous trois pour votre présentation. C'est toujours intéressant. J'ai un point qui me chicote encore, je vous dirais, en faisant un jeu de mots, que ce n'est pas clair comme de l'eau de roche pour moi. Ça concerne les carrières et sablières. Vous en avez parlé tous les trois. Mon collègue Légaré en a abordé un peu le sujet. Dans le bassin versant de la rivière Montmorency, il y a deux prises d'eau, celle de Beauport, celle de Charlebourg, donc qui alimente près de 160 000 personnes. La superficie de carrières et sablières est très grande dans ce secteur-là, plus particulièrement à Beauport. Donc, vous disiez tantôt, Maître Bouchard, et je vais lire, j'avais pris une note, ne pas mettre de carrières ou sablières à côté d'une prise d'eau. Il y a une responsabilité morale. Vous venez de parler de droits acquis. Donc, j'aurais le goût, Mme Deslongchamps, M. Moreau, de vous demander, est-ce que les carrières et sablières sont nuisibles pour notre eau? Vous allez me dire oui. En fait, il y a toujours l'érosion éolienne, c'est-à-dire ce qui part et qui peut aller se déposer. On ne l'a jamais étudié, mais on a un projet cette année avec une université allemande qui développe des modèles, puis avec aussi une entreprise privée là, de Québec au niveau des prévisions météorologiques, pour voir avec les vents dominants et tout, c'est quoi l'apport éolien, dans le fond, de ces deux grandes carrières, là, puisqu'il y en a deux plus grandes que sur le territoire. Donc, on va le savoir probablement d'ici un an environ, là, avec une étudiante là, qui vient, comme je disais, de l'université en Allemagne, à Munich, qui va venir chez nous cette année. Donc, on va pouvoir vous répondre plus spécifiquement pour le cas du lac Saint-Charles. Par contre, je ne peux pas vous répondre l'apport éolien sur... Pour vous répondre, en fait, une sablière, là, si ce n'était pas exploité, ça serait un fantastique réservoir d'eau. OK? Parce que c'est poreux, ça a une porosité très grande et les apports du ruissellement et de l'eau de pluie, va directement dans ce massif sablonneux. Souvent, lorsqu'on les exploite, on va jusqu'à la nappe d'eau pour exploiter le maximum de sable. Souvent, c'est pour ça qu'on a un étang dans le fond, là, parce qu'on est allé chercher le plus bas niveau d'eau. C'est les milieux les plus fragiles en matière de contamination de sources d'eau. C'est-à-dire que si on fait de mauvais usages de ces sablières-là après, ça rend très vulnérables les sources d'eau à proximité. Malheureusement, historiquement, on se servait de ces sablières-là pour faire des dépôts de toutes sortes, dépôts à neige, dépotoirs. Maintenant, c'est très réglementé parce qu'on connaît maintenant cette grande vulnérabilité. On exige maintenant des membranes, des géomembranes pour ramasser l'ixtivia. Bref, il y a tout ça. Donc, malheureusement, souvent, ces compagnies-là ont des droits acquis. Puis, ils font des exploitations de ces sablières-là, des fois, avec des pratiques... On voit sur le territoire qu'il y a des centres de décontamination de sol sur des sablières. Il se passe des choses, là. C'est pareil. Je ne les nommerai pas, là. Oui, c'est ça. C'est pas la même affaire. C'est pas le même tiju, mettons. Mais finalement, c'est le lixtivia, finalement, descend jusqu'à la nappe, coule vers la rivière. C'est pas gagnant. Donc, il va falloir trouver des solutions, nous disait Maître Bouchard. Ce ne sera pas par le règlement qu'on va pouvoir le faire. Ils ont des droits acquis. Puis, ce n'est pas juste de les fermer non plus, parce que si la notion de droits acquis n'existait plus, ce n'est pas que de les fermer. Il faudrait, je présume, les réhabiliter, recycler ces terrains-là. Les restaurer d'une certaine façon. Et souvent même, on en fait des parcs, on en fait toutes sortes de choses. On peut se servir de ces milieux-là pour revégétaliser d'une part, mais s'en servir comme un parc à cause de la morphologie qu'on peut y faire. On peut faire de très beaux parcs avec ça. Ça servait comme des milieux de rétention d'eau quand il y a des crues, des choses comme ça. Mais c'est clair qu'actuellement, nos sablières, là, c'est des petites bombes en puissance dans certains cas, parce que c'est des vieux dépotoirs qui étaient régis par aucune norme. On les a enterrés, on a mis un peu de végétaux. Mais un jour, on va voir le lixtivia apparaître dans certaines sources. On détecte déjà dans certaines sablières sur le bassin de la Saint-Charles des petits... Un lixtivia, là, c'est le jus là, qui se ramasse à la nappe. Oui, vous ne voulez pas plus de détails?
Mais c'est ça, en fait, c'est tout le résidu qui se ramasse dans le fin fond. Bref, voyons, on a de ça aussi sur le territoire, qu'on ne connaît pas vraiment l'acuité. Ça fait partie aussi des tâches qu'on aura à faire d'aller examiner ces choses-là. Ça fait partie du passif. Merci. La jurisprudence en matière de droits acquis pour des carrières sablières, c'est la jurisprudence la plus généreuse. Une carrière sablière, c'est vu par un tribunal comme étant, par définition, en expansion. Donc, ce n'est pas limité à la superficie qu'elle exploite au moment où le règlement entre en vigueur. Supposons que vous décidez que vous interdisez les carrières des sablières, ils vont dire « j'ai des droits acquis ». Mais ils ont le droit de s'étendre par définition. Puis ils ont le droit de s'étendre sur tout le banc d'emprunt naturel existant en vertu, par la nature, appartenant au même propriétaire. Ce qui fait que si tu décides de t'approprier une carrière des sablières, l'exproprier, puis dire « bon, c'est fini », bien, est en droit de te demander tout ce qu'elle aurait récolté en exploitant le banc d'emprunt au complet. Ça coûte cher, là. Donc, il faut regarder les choses un par un, regarder leur faisabilité, pas commencer à faire croire qu'on va passer à l'expropriation des carrières sablières. Ils vont nous attendre avec un chéquier. Tu sais, il faut y aller tranquillement, pas vite. Oui, c'est gros, mais ça se fait. Merci. Vous avez une seconde question, allez-y. Oui. Là-dessus, est-ce qu'il y aurait une façon de rendre ce changement d'usage-là un peu plus sexy, excusez l'expression, pour les propriétaires de ces carrières-là? Est-ce qu'il pourrait, pour l'empreinte écologique, là, est-ce qu'on pourrait dire, bien, on ferme les carrières, les sablières, puis on permettrait un certain développement? Est-ce que ce serait plus écologique que de poursuivre cette activité de carrière et sablière? C'est une bonne question. Imaginez le village des sports. C'est le nom que ça s'appelle? Hein? Non, le village vacances Val-Cartier. OK, correct. c'était des sablières à une certaine époque. Ils se sont servis effectivement de cette possibilité de modeler le terrain facilement pour faire des pentes. Et les plans d'eau, parce qu'ils ont exploité sous la nappe, ça fait des lacs. Et c'est devenu le village. Vacances, vacances. Eh oui. Donc, vous voyez, c'est absolument. Donc, c'est une façon peut-être de voir des usages tout à fait compatibles. Puis là, il doit s'assurer que cette eau-là soit correcte, là, parce que c'est des milliers de personnes qui y vont, là. Donc, il y a des carrières dans la région de Montréal, à Laval notamment, qui sont devenues des parcs écologiques extraordinaires. Donc, il faut voir ces éléments-là comme des éléments qui pourraient être structurants pour un développement immobilier autour aussi. Donc, mais il faut encore que le propriétaire veuille bien céder ses droits, d'une certaine façon. Donc, c'est pas par règlement. Il va falloir que ça soit incitatif et que ça s'inscrive dans une dynamique là, locale. Tout le monde y a intérêt. En complément, M. le maire. Ben, est-ce que je me trompe si le centre de plein air Sainte-Foy... c'était des carrières. C'était le lac qu'on adore puis qu'on veut aménager tout le tour, dans lequel on va mettre des millions bientôt, là. C'était une carrière, ça. Mm. Oui. Mais là, on peut-tu faire des centres de plein air avec les carrières? Je suis moins sûr, madame. T'sais. Mais en fait, il y a déjà eu un projet de réhabilitation d'une carrière. Il y a déjà eu une charrette là, de l'Université Laval avec tout le quartier de Lac-Saint-Charles. Puis il y a comme une sablière qui est comme enclavée entre deux quartiers. Puis il y avait eu un projet de réhabilitation de la carrière pour faire du développement résidentiel dans la sablière. Donc, il y a eu des discussions avec les gens de la place. Quand même, il y a moyen de faire quelque chose puis de le faire structurer, là. Donc, l'objectif, c'est qu'on ne réglera pas tout demain matin. Puis peut-être qu'on va en parler encore dans 25 ans, mais il y a quand même des étapes à faire, puis il y a des choses à faire à court terme. Puis peut-être que ça peut être une solution de réhabiliter des anciennes friches, des anciennes sablières, pour pouvoir faire du développement résidentiel à certains endroits. Peut-être pas non plus. Il faut l'étudier avant de le dire oui ou non. Merci. Rapidement, M. le maire, j'ai encore plusieurs personnes sur la liste. Je juste dis qu'il ne faut pas stigmatiser non plus les propriétaires de carrière parce qu'une carrière qui est en ville aujourd'hui est en campagne il y a 30 ans, tu sais. Ah oui. Alors, puis les règlements à l'époque, puis les connaissances scientifiques faisaient tout à fait. Qu'exploiter une carrière, personne ne veut penser que 30 ans plus tard, ça aurait de l'effet sur un réservoir. Bon, c'est un problème aujourd'hui, mais je veux quand même qu'on soit juste avec tout le monde, là, mais je comprends très bien ce que Marie-France veut dire. Merci. Madame Corriveau. Merci, Madame la Présidente.
Je ne sais pas si je dois vous remercier pour ce constat. Il ne faut pas être pessimiste plus que le client demande, là, mais quand même, il faut être réaliste. Ça prend beaucoup de courage de venir nous dire ce que vous nous avez dit. Monsieur le maire, vous avez aussi beaucoup de courage d'aller de mener ce projet de l'avant et avoir toutes les critiques qui peuvent aller aussi avec cette façon de faire. Je veux revenir sur la page 28 de votre présentation. C'est sûr et certain que Monsieur le maire a parlé tout à l'heure de 5 000 installations sceptiques. Donc, je suis consciente qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le Leave No Trace, là, mais c'est à partir de combien de fosses sceptiques qu'on peut penser se raccorder à un réseau, puis qu'on serait correct, là, et qu'on ne serait pas dans des eaux de millions et de millions? C'est par secteur. Il faut étudier. En tout cas, la communauté métropolitaine va le faire, là, normalement, mais il faut étudier le sol. Il faut connaître est-ce que c'est un milieu propice ou non à une installation sceptique? Puis il y a des secteurs qu'on va pouvoir accorder à cause de la densité, si j'ai bien compris. Il y a des secteurs où la densité, la rentabilité économique va faire qu'on va pouvoir aller raccorder. Puis il y a des endroits parce que la densité est trop faible, puis que peut-être justement que le terrain est propice, qu'on peut continuer à avoir des installations sceptiques dans ces secteurs-là. L'objectif, c'est de pas en rajouter présentement, d'essayer de rétablir. Peut-être qu'éventuellement, dans 20 ou 30 ans, on va se dire, ah, ben là, il a repris son aire de jeunesse, le lac Saint-Charles, puis peut-être qu'il va se rétablir, puis qu'on va dire, on peut en laisser à gauche et à droite. Mais pour l'instant, il faut quand même lui donner une chance. Puis il va falloir étudier justement secteur par secteur en disant, bien, les sols sont non propices dans ce secteur-là. La nappe est trop affleurante. L'eau est en dessous, là, est trop proche. Puis dans le fond, l'installation sceptique est directement dans la nappe, là. Mais quand on a ça, là, on a eu un exemple là, sur le chemin de la Grande Ligne, vous avez raccordé il n'y a pas tellement longtemps. Les installations sceptiques, il n'y avait rien qui fonctionnait. Même les plumes coûteuses et quoi que ce soit, il n'y a rien à faire. Quand l'eau est trop proche de l'installation sceptique, il y a une correspondance directe. Donc, à ces endroits-là, on n'en fait pas. On ne fait pas d'installation sceptique. Donc, c'est pas simple. Il y a des spécialistes, il y a beaucoup de monde qui doit travailler ensemble, puis il faut l'analyser, le territoire. Mais nous, il y a bien des gens qui le connaissent déjà, le territoire, puis qui sont capables quand même de cibler des choses. Merci. Avez-vous une sous-question? Non, ça va. Alors, j'ai M. Proulx. Oui, merci beaucoup. Ma question pour vous, Maître Bouchard, je retiens de votre présentation que les élus d'une ville en matière d'eau potable ont des obligations, soit sur le plan légal, qui relèvent de ce que j'ai cru comprendre, vous me corrigerez si je me trompe, mais d'obligations de moyens, puis d'obligations éthiques. Je vais avoir une sous-question, mais la première question que je veux vous poser, puis vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse hyper exacte, mais dans le cas qui est visiblement pas le cas qu'on vit en ce moment, mais dans un cas où une municipalité ne prendrait pas d'action, laisserait tout simplement la situation se détériorer, ferait de l'aveuglement volontaire, est-ce que j'ai raison de comprendre qu'elle s'exposerait d'une certaine manière en vertu de ce que vous avez exposé à une situation qui pourrait la mettre à tout moins inconfortable sur le plan juridique? Sur le plan politique, certainement. Hein, la boîte à scrutin, c'est la place où les élus se font juger. Sur le plan de la responsabilité civile, hein, ce que vous pourrez faire poursuivre en dommages intérêts ou vous faire destituer, parlons ça de ce côté-là, ça, c'est plus incertain parce que la jurisprudence est très ferme sur le fait qu'une municipalité n'est pas obligée de faire respecter sa réglementation. Par contre, il a commencé à avoir des brèches au cours des dernières années où les tribunaux ont dit oui, tu n'es pas obligé, mais si tu savais au moment où tu as décidé de ne pas intervenir que quelqu'un, un tiers, subirait un dommage en raison de ton inaction, là, tu peux être responsable. Non pas parce que tu n'as pas fait respecter ton règlement, mais parce que le non-respect a entraîné un dommage à quelqu'un. Là, il a commencé à y avoir des brèches là-dessus. Il y a un lien de causalité. Ouais. OK. Ma sous-question, je fais le chemin inverse. Bon nombre de mes collègues ont soulevé des points là, que la tâche à faire représente un fardeau assez colossal. On a parlé entre autres des cimetières de taux. Bon, on sait que pour l'avenir, on prend des gestes pour freiner le développement, mais au niveau de ce qui est fait, ce qui est existant,
Est-ce que vous pensez que les actions qu'on prend pourraient poser des problèmes, là? Souvenez-vous, par exemple, d'Oisaki, je lance ça comme ça à tout hasard. Est-ce qu'il y a des freins juridiques à ce qu'on veut atteindre comme objectif pour réussir à, finalement, inverser le vieillissement du lac Saint-Charles? Tout ce qui est de compétence fédérale, on ne peut pas réglementer. C'est un premier frein juridique. Par exemple, demandez-nous pas d'interdire les embarcations à moteur sur les lacs. Tout règlement municipal qui porte là-dessus s'est toujours fait déclarer inconstitutionnel par la Cour supérieure. Donc, il faut passer par le fédéral, puis ça prend 2 ans, puis c'est long, etc. Bon, donc, on ne réglementera pas ça, c'est un frein. Le deuxième frein, c'est tout ce qui relève du provincial, à moins qu'on nous l'approuve, on ne peut pas l'occuper le champ. Donc, c'est un autre frein. Le troisième frein, là, il est concret et administratif. Supposons qu'on décide, on interdit, je vais donner un exemple, un cas de figure, on interdit toute construction dans le bassin versant. On vient de shifter sur droits acquis toutes les constructions existantes dans le bassin versant. Vous rendez-vous compte ce que ça veut dire comme problème de gestion quand quelqu'un vient demander un agrandissement, faire des réparations, il veut avoir un bâtiment accessoire. Il faut aussi qu'on pense aux problèmes administratifs de vie sur le territoire que ça va générer si on arrive avec une norme qui a une portée aussi forte. Alors, ça, c'est un frein aussi. On essaie présentement de trouver une voie qui va faire en sorte qu'on ne compliquera pas inutilement la vie de tout le monde, mais sans perdre l'objectif de vue qui est de protéger la prise d'eau. Et là, et ça, en soi, c'est un frein. Ça va? Alors, j'ai Mme Véraud. Merci beaucoup à vous tous pour cette présentation, je vous dirais, pas mal intéressante, beaucoup d'informations, un portrait assez transparent et je pense qu'on a l'heure juste là, sur la situation. Et moi, j'ai été très touchée également sur les constats, un peu comme M. Légaré, les constats là, qui ont vis-à-vis là, ce qui a pu amener à la détérioriation, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, la dégradation. Alors, le sel de déglaçage, le réaménagement, l'impact du réaménagement de l'autoroute 175, vraiment, là, c'est assez imposant là, comme impact que peut avoir. Champ d'épuration, fosse septique. Écoutez, là, je pense que on est devant. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, puis je pense qu'on est devant là, un enjeu là, assez majeur, un enjeu environnemental et social. Parce que les impacts, là, ils sont vraiment un peu partout. Il y a un impact économique, un impact sur les taxes municipales, un impact sur les développeurs. Alors, c'est gros. Et je pense que c'est un travail, en effet, qu'il va falloir travailler tous les élus ensemble. Puis j'ai hâte de voir la suite des choses, oui, pour les RCI. En même temps, les questions, Maître Bouchard, c'est un petit peu... Bien, premièrement, votre présentation, là, pour ceux qui écoutaient à la télé, là, bravo, là, c'était clair, très, très bien vulgarisé. Vraiment, là, je pense que c'était très précis, Mme Deslongchamps aussi, quoique plus technique. Mais là, moi, c'était beaucoup sur les droits acquis, justement. Parce que si on entre là-dedans, là, je veux dire, ce que je comprends, là, après toutes les questions de tout le monde, oui, on est devant l'urgence d'agir. Il n'y a plus de temps à perdre, mais si je comprends bien, on va être légalement bloqué un peu partout. Tu sais, je veux dire, sur les droits acquis, s'il y a des choses qui peuvent plus se faire, là, je comprends qu'il y a des droits acquis. Moi, j'ai rien contre les messieurs là, qui ont des cimetières de voiture ou les madames. Là. J'ai rien contre ça, là, tout ça. Là. Mais je veux dire, à un moment donné, on est devant un enjeu environnemental. Je veux dire, il faut sauver notre source d'eau potable, notre eau potable. Oui. Ce qui veut dire que ça va être vraiment un dossier à jouer à plusieurs niveaux gouvernementaux. Parce que là, on ne peut pas avancer sans le fédéral, sans le provincial. Puis vous avez parlé lors de votre présentation, toujours,
Monsieur Bouchard, vous avez parlé de la loi, justement, que ça, c'est pas très clair, là. Vous avez parlé du règlement, là, du MDD, ELCC, mm-hmm. que ça se limitait uniquement au captage des eaux souterraines à l'époque. Là, ça va changer, mais j'ai pas ça bien... Ça a changé. C'est déjà changé, ouais. mais je sais plus trop ce qui va se passer en 2022, là. Il faut que toutes les municipalités du Québec... Ah, OK, soient adaptées à ce nouveau règlement-là. Les certificats d'autorisation, ça va changer aussi, j'ai bien compris. Oui. On va être obligé de redemander un certificat oui. d'autorisation à chaque fois. Oui. Alors, on a des devoirs, des pouvoirs, des responsabilités morales, les élus, on a bien compris. Je pense que c'est important, c'est un dossier très, très, très majeur... à mes yeux, aux yeux de tous les élus ici présents, là, je suis convaincue de ça. Mais je trouve qu'on s'embarque dans un oui, il faut aller de l'avant. J'ai confiance en, aux personnes qui vont mener de front ce dossier-là. Je pense qu'on a déjà été de l'avant avec un premier RCI. Se pencher sur la qualité de l'eau potable. On a Mme Deslongchamps qui nous dit que ça fait 16 ans, puis c'est la première fois qu'on a la chance à rencontrer. Alors, ça remonte quand même, je veux dire, c'est le temps. On a pu, c'est le plan B, j'aurais une dernière question. Là, on a parlé... Parce que je m'en allais comme ça. Je vais vous poser ma question. Je pense que vous avez senti là, que c'est urgent, là. Sans développer une scoute. Alors, ma question porte sur... Si on ne fait rien, on décide, oh, ça ne marchera pas, c'est trop d'ouvrage, on ne fait rien. OK? Ça va prendre combien de temps? Ben, tout à l'heure, on avançait peut-être 10 ans, là, si on ne fait rien. Mais si on fait quelque chose, là, vous ne pouvez pas là, cibler un nombre d'années. Mais on peut sauver. Il est encore temps de sauver les choses. C'est ça que je veux savoir. Oui. En fait, ça va dépendre de l'énergie qu'on va y mettre. L'énergie qu'on va y mettre puis l'action qu'on va y faire va dépendre. T'sais, le lac va répondre à ça, dans le fond. Là. C'est comme... Je le compare souvent à un humain. Oui. Un humain qui doit prendre soin de lui parce qu'il vient d'avoir un signe, un arrêt cardiaque ou quelque chose, là, ça, tu sais, s'il veut vraiment, il va pouvoir. C'est la même chose avec le lac Saint-Charles. Si on veut vraiment, il va pouvoir. Et combien de temps ça va prendre? On ne sait pas quand on fait un arrêt cardiaque, combien de temps ça va prendre pour se rétablir. C'est la même chose avec le lac Saint-Charles. Il y a des arrêts cardiaques réguliers, là, il y a des apparitions de cyanobactéries. Là, donc, on le sait qu'il y a une problématique. Là. Donc, il faut faire quelque chose. Là. Allez-y. Le lac à Munich, est-ce qu'il y a une monographie décrite là-dessus? J'aimerais ça m'avoir une description puis la monographie sur l'histoire de ça. Oui, c'est en allemand. Elle peut vous traduire. Madame, mais il va falloir qu'on se rende compte puis vous me traduisez tout ça. En fait, on a fait une... Peut-être juste vous avancer, madame, s'il vous plaît, au micro. Merci. Je me souviens, vous étiez sur le lac, vous. Je me souviens. En fait, je travaille à l'appel pour les études sur la qualité d'eau des lacs et rivières avec tout le monde. En fait, on a interviewé un monsieur qui connaît très bien le lac Starnberg, qui a grandi là. Il est né dans les années 40, il a maintenant 70 ans. Il a vu le lac jeune, il l'a vu vieillir, il l'a vu dans l'état dans lequel on fait face présentement au lac Saint-Charles. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, ce qui était... D'abord et avant tout, vraiment le raccordement aux égouts de tout le monde sans équivoque. Ils ont ralenti le développement pour la peine. Et en fait, là, le lac est revenu, je l'ai vu, je viens d'y aller. Il est vraiment revenu très limpide. Donc, il l'a vu de son vivant détériorer et revenir. Ça a pris 20-30 ans. Il y a une monographie, un des très beaux documents là-dessus qui l'expliquent, qui sont en allemand, que je peux vous traduire. Mais présentement, il y a une petite vidéo YouTube d'une interview de ce monsieur-là sur Internet que je pourrais vous partager le lien. C'est très simple, mais on l'a fait juste pour pouvoir justement documenter ça de quelqu'un qui l'a vu de son vivant. Mais quand même, là, il doit exister des traducteurs en ville. Madame, donc j'aimerais ça l'avoir en français ou en anglais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai, moi, un livre qui parle des lacs qui sont disparus, donc le lac russe, le fameux lac russe, là, que tout le monde connaît. J'ai lu la monographie là-dessus, c'est assez dramatique. Mais celui-là m'intéresse, alors je ne sais pas si... Sur la Suisse... Il y a des exemples, beaucoup, le lac Léman, il y a beaucoup en français, là. Ouais. Il y a beaucoup de choses en Suisse. Puis, les graphiques que j'ai montrés au niveau de la Suisse. Mais celui-là, il a fait tout le cycle, là, il m'intéresse. Alors, je vais m'occuper de trouver la documentation, puis on va, payer, on va trouver une traductrice. Merci. Merci.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites des grands signes, M. Verrette. Malheureusement, je ne comprends pas ce que vous voulez me dire, là. Bien, j'aurais aimé avoir quelques exemples. Hein. C'était ma question, là, sur le développement. Qu'est-ce qui a été fait à Munich, là? On parlait de développement, mais est-ce que... Oui, mais il y a sûrement d'autres. La réglementation, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en savez plus? Bien, en fait, dans tous les lacs qui ont réussi de récupérer, puis c'est les lacs aussi qui sont des... Le lac Stambagazé en particulier, c'est pas une prise d'eau, mais le lac Constance, le lac Zurich, tous ces lacs-là, ce qu'ils ont fait pour les ramener, parce qu'ils étaient dans les années 70, au moment où ce qu'on est présentement, ils font face à ça, ce qui a vraiment fonctionné dans tous les cas, c'est vraiment le raccordement aux égouts, le traitement des eaux avec des... quand il n'y avait pas le choix de rejeter quand même encore en amont du lac, parce que ça arrive, c'est des immenses territoires, ils ont obligé de faire des usines qui sont vraiment au dernier goût du jour en termes technologiques. Et présentement, toutes les usines qui se trouvent en amont de ces lacs et ces cours d'eau-là, qui étaient fragiles puis qu'on a ramenés, ils sont en train d'ajouter des filtres supplémentaires pour réduire les médicaments, pour réduire tout ce qui rentre. Mais ça, ça a été fait, c'est vraiment ça à la base. Après ça, ils ont, selon les sources d'eau, entre autres souterraines, dans le cas de Munich, ils ont réduit de manière générale le type d'agriculture qui se faisait sur le territoire, parce que ça, c'est un des éléments qui était très important. Ils ont payer, compenser les fermiers pour réduire la production, pour qu'ils embarquent dans ces programmes-là. Donc, ils ont fait vraiment des calculs d'analyse de vulnérabilité pour réduire les impacts. Mais ils ont réussi de ramener, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont réussi de ramener, que c'était des efforts. Vous savez, en Allemagne, c'est 470 habitants par kilomètre carré. Alors, c'est très densément peuplé, on ne peut pas évacuer les gens, on ne peut pas les enlever. Alors, il faut les laisser là, il faut leur trouver moyen qu'ils puissent interagir avec les territoires en réduisant le maximum leurs impacts sur les différentes sources d'eau. Donc, c'est vraiment aussi encore là plusieurs éléments et pas juste une seule solution, mais il y en a plusieurs. Et les gens embarquent parce que l'eau, c'est un patrimoine collectif. Merci. Monsieur Dion. Merci, Madame la Présidente. Quand on regarde la présentation, d'ailleurs, je veux vous féliciter pour la présentation. Les efforts de renaturalisation qui ont débuté autour de 2009 à peu près, de la bande riveraine du lac Saint-Charles, est-ce que ça a donné des effets positifs depuis 2009? En fait, on a vu une amélioration marquée de la bande riveraine du lac Saint-Charles. Oui, c'est un effet positif, mais c'est un dernier rempart. T'sais. C'est dans le fond, quand l'eau elle arrive au lac, c'est son dernier filtre avant d'arriver. C'est aussi une protection pour faire de l'ombre au lac, etc. Donc, oui, c'est important, mais on l'a fait juste pour le lac. Il faut le faire pour l'ensemble du territoire. C'est l'ensemble du territoire au complet là, qu'on doit renaturaliser, pas seulement le lac. Le lac, c'est significatif parce que c'est le réservoir, mais c'est l'ensemble du territoire qu'il faut voir. Donc, oui, c'était fait. Les gens ont embarqué. Maintenant, c'est fait. Oui, ça va avoir un impact, mais il y a encore d'autres choses à faire. Okay. Est-ce que la... Seconde question, Lizzie. Oui. En ce qui concerne les cyanobactéries, est-ce qu'on voyait l'évolution là, dans les 10 dernières années, puis on notait qu'il y avait toujours une présence de cyanobactéries. Alors, est-ce qu'on peut dire que les investissements qu'on a faits ont pu donner quelque chose sur la présence de cyanobactéries? C'est à long terme, Sonia, tu peux tout... En fait, présentement, on ne peut pas dire qu'on voit une évolution dans un sens ou comme dans un autre par rapport aux cyanobactéries au lac Saint-Charles. En fait, ce qu'on constate présentement, c'est le constat principal de l'étude, c'est qu'on a une augmentation très importante des plantes aquatiques dans le lac Saint-Charles. Donc, il faut savoir que les éléments nutritifs qui nourrissent le lac peuvent aller à trois endroits prioritairement. Un, ça se peut que ce soit les cyanobactéries qui le prennent pour faire des grosses fleurs d'eau, comme on les appelle communément, ou bien ils peuvent aller vers les plantes aquatiques, donc faire des forêts de plantes aquatiques. Et le troisième endroit, c'est qu'ils peuvent sédimenter dans le lac ou éventuellement sortir. Ce qu'on observe présentement, et c'est quasiment une bonne nouvelle, que ces éléments nutritifs se sont allés dans les plantes aquatiques plutôt que d'être prises par les cyanobactéries. Ce qui est l'hypothèse
des spécialistes qu'on a consultés, c'est quoi la prochaine étape ou le risque qui arrive si on continue, si on n'arrête pas maintenant les apports des éléments nutritifs, ce qui la population des plantes aquatiques, donc ça peut devenir tellement dense qu'ils finissent par se compétitionner de mourir, ça devient trop dense, comme des forêts, à un moment donné, les arbres tombent. Et que si tout ça, ça tombe, ce que ça peut faire, c'est que là, l'élément nutritif, le phosphore, l'azote qui est dans les plantes aquatiques, qui est utilisé par eux, soit rendu disponible pour les cyanobactéries. Donc là, on risquerait d'avoir la prochaine étape, que c'est là qu'on a les grosses éclosions de cyanobactéries qui sont observées ailleurs. Fait qu'en fait, on a encore une bonne nouvelle, on n'est même pas rendu là encore, mais il faut vraiment, c'est comme vraiment le signe là, qu'on est au base, là, au lac, là, on a besoin de réduire ce qui est dedans, là, les ou qu'est-ce qui arrive. Merci. Merci. Rapidement, vous avez déjà posé vos deux questions. Bien, je voulais juste peut-être... on a parlé tantôt de en fait, sans la nommer, la rue Roussin, là où on a, dans le fond, un cimetière de... donc, puis parce que je voulais mentionner aussi, c'est que c'est pas en haut du lac, mais c'est en bas du lac. Donc, c'est une contamination qui est possible à partir, donc, de la rivière Saint-Charles et non le lac. Est-ce que la rue Roussin et des cimetières d'auto, est-ce que ce qu'on peut en comprendre, c'est que malgré les droits acquis, est-ce qu'il y a une possibilité? Quelle est votre position ou votre recommandation actuellement pour... À vous? Ouais. À moi? Oui. Ouais, c'est ça. Je vous avoue, là, compte tenu du régime de droits acquis, c'est une problématique. C'est clair que quand on est à quelques kilomètres hein, en amont de la prise d'eau, là, et le cimetière de Taux, dites-vous bien, là, il est dans une plaine inondable en plus. Donc, c'est comme une poche de thé, là, quand l'eau monte, là, ça baigne. La nappe est très affleurante aussi. C'est clair que c'est un usage incompatible, je dirais, là. Comme spécialiste, là, on n'en voudra pas de ça. Mais comment faire pour dédommager ces citoyens, mais aussi toute la contamination? Là, comme disait le maire, c'est pas simple. Là. C'est pas simple. Moi, si j'avais une baguette magique, là, je lui donnerais sa valeur, puis en compensation à la décontamination, bien, je lui dis, garde, si tu partais demain matin, il faudrait que tu décontamines. Donc, il y aurait du donnant-donnant. Mais c'est une baguette magique, là. On s'entend. Madame la Présidente, à moins que... Est-ce que M. Choiré aurait d'autres questions? Nous, il fait 2h30 que nos gens sont sur la sellette, là. Je pense qu'ils ont fait un bon travail. Pour nous autres, ça va. Alors, peut-être qu'on aurait fait un bout après 2h30. Je voudrais leur donner une chance. On pourra en parler pendant des heures, là. Et même en allemand, là, mais... Alors, moi, je serais prêt à conclure, si vous me permettez. Monsieur Choiré, vous êtes, ça va-tu, vous êtes d'accord? Ça va pour vous? Parfait. Bon, mais écoutez, il ne reste plus qu'à remercier les gens qui nous ont fait cette très intéressante présentation. Donc, Mme Delonchamp, M. Morneau, M. Bouchard, un immense merci. Je voudrais, dire ceci. Je viens vous remercier, évidemment. Mme Delonchamp a dit quelque chose d'important tantôt. On est rendu au Conseil municipal de Québec. C'est plus tard qu'on va peut-être... comprendre l'importance de cette soirée ici. On l'a fait en toute transparence. Je ne pense pas qu'on s'est ménagé sur l'état du lac. On l'a fait devant la population. Alors, si quelqu'un est au courant du problème, c'est parce qu'il n'a pas voulu s'informer. Et c'est pas mal plus important qu'on puisse l'imaginer ce soir. C'est pas un événement, c'est un volet politique au sens large de la politique. Et là, je ne sais pas si vous avez de conscience, c'est un non-retour à partir de ce soir. À partir du moment où tu rends public et tu discutes publiquement pendant 2h30 des problèmes de ta réserve d'eau, tu ne peux plus reculer. Alors, on ne pourra plus revenir en arrière. On passe une étape qui est cruciale. Et donc, à partir de maintenant, il va falloir trouver des solutions. Ceci dit, je reviens à ce que vous avez dit, il n'y a pas de miracle, on ne refera pas le passé. Mais je reviens à ce que... la dame a dit concernant le lac près de Munich et ce que Mélanie Delonchamp dit, il faut commencer à connecter les eaux usées. On ne pourra pas vider les cimetières d'auto demain matin, les terrains de golf vont continuer d'exister, on va juste leur demander peut-être de changer leur façon
de verdir. On va peut-être parler aux propriétaires de centres de ski pour leur dire qu'il y a des choses qu'ils ne le savent probablement pas ou peut-être pas. Il y a des gestes qu'ils posent qui créent des dommages. Il va falloir y aller de façon constructive, même s'il y a des débats fondamentaux que nous, on ne pourra pas éviter. Je souhaite que ça se fasse dans l'harmonie, mais on n'a pas tous les mêmes intérêts. Mais s'il le faut, on fera les batailles nécessaires. Je suis très clair là-dessus, parce que au-delà de toutes les considérations, nous, on est élus pour protéger les citoyens de Québec qui sont les consommateurs de cette eau-là. Alors, notre devoir moral et à tous égards, c'est nous sommes redevables à ces gens-là et bien plus que les promoteurs immobiliers. On va appeler un chat, excusez-moi. C'est de ça qu'on parle. Alors, on a atteint ce soir un point de non-retour. On pourra plus revenir sur cette question-là. On vient de faire le striptease complet. Alors maintenant, il faut trouver les solutions, puis on s'attelle là-dessus. Il faut que la population comprenne que ça va coûter cher, mais on a déjà commencé à réfléchir et à calculer en conséquence. C'est faisable. Ça ne se fera pas en 36 mois, mais c'est faisable. L'important, c'est de se donner une liste de priorités, d'aller au plus coupant, puis de se donner un échéancier, un agenda sérieux qu'on suit. Puis honnêtement, dire à la population, c'est ça qu'on fait, puis on va faire ça, puis après chaque année, on va être redevable. C'est aussi simple que ça, sinon on n'y arrivera pas. Tout ça pour dire que ben, c'est fait. Et là, on regarde par en avant, on trouve l'argent. on va trouver les bonnes solutions avec des bonnes priorités. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci. Donc, merci à tous. Une excellente fin de soirée.